Allez, salut, salut, on va commencer. Alors, j'espère que cette fois tout est bon au niveau du son, parce que la dernière fois j'avais un petit souci au niveau du micro. Le son de mon micro en fait c'était mal réglé, et du coup j'avais le son qui sortait directement avec le haut-parleur de la manette. Et c'est un son bien dégueulasse, même le son du jeu s'entendait en dédoublé, donc j'espère que cette fois ça va aller. Donc, du coup, bah, je vous refais une deuxième session Cyberpunk 2077, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis cette fois. Donc, j'espère que tout va bien fonctionner. Et bon, on va commencer direct du coup. Alors, j'ai un petit peu avancé depuis le dernier stream, forcément. Résident de Zelda, votre attention. Ici Kirkland Zed. Un avion banalisé s'est écrasé dans notre quartier. L'accès au site du crash est désormais interdit. Ah, donc c'est chargé. Alors, je sais plus où je m'étais arrêté par contre. Trouve un moyen d'ouvrir la porte. Ah, oui, voilà, c'est ça. J'étais coincé à cette espèce de porte. Double porte, marche. Et la fois j'ai essayé de prendre le contrôle de l'ordinateur, mais apparemment c'était pas ça. Cela, ça me fait prendre le contrôle de l'ordi, mais ça m'aide pas énormément. Même là, du coup, ça mène à rien. Bon, donc là, c'est le moment galère. Comment ouvrir cette putain de porte? Je peux zoomer, donc c'est bien beau, mais c'est pas ça que je veux faire. J'ai pas que ça à la porte. Même si je fais distraire l'ennemi, mais ça va. Merde, non! Ah, j'ai refait deux fois la même connerie. Enfin, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Parce que là, je peux pas forcer la porte en fait, c'est ça le truc. Donc là, je ne sais absolument pas comment on l'ouvre. C'est ça le problème. Ah, peut-être qu'en passant par là. Est-ce qu'on peut prendre ça? Qu'est-ce que c'est? Point d'accès, prise de contrôle. Ah, d'accord, faut que je prenne le contrôle de l'ordi. Je vais essayer quelque chose. Prendre le contrôle à distance afin de s'emparer de tourelles et parfois d'autres appareils pour que l'édition seconde d'un appareil. Je vais essayer ça. Et j'essaie de vite aller là, voir si ça déverrouille ce à quoi je pensais. Bah non. Ok. Alors là, je comprends pas trop. Je peux pas forcer la porte. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Un white crystal, je sais même pas du coup à quoi ça me sert, mais par contre là, je sais absolument pas comment on ouvre cette porte là, je suis total coincé. Est-ce que je parle à lui? Est-ce qu'il va me dire un truc? Non, évidemment, je peux aller me faire foutre. Lui, pareil. Utiliser. Peut-être dans les messages. Ah, problème porte. La porte du parking est foutue. Il y a un court-circuit quelque part quand on le met en route. Un problème de câblage d'après Marc. Mais personne n'est foutu de dire ce qui déconne vraiment. Alors, faut tout recâbler à chaque fois. Sinon, les fusibles grillent et tout le bâtiment se retrouve dans le noir. Ouais. Ça fait fouiller. Non, là je suis à l'extérieur de la zone donc c'est pas bon. Ah, c'était peut-être ça.
Ah, putain, bah voilà. C'était tout con. Pour enfin passer. Et donc là, faut avancer doucement, je suppose. Ah, mais qu'est-ce qu'il est con? Faites quelque chose. Bah, allez buter. Il n'y aura pas tellement de choix là, je crois. Non, non, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. Je vais me le faire discreto s'il n'aura pas le temps de voir quoi que ce soit. Hop, allez. Je vais essayer de me le faire l'autre là-bas aussi au fond. Allez, faut juste pas qu'il se retourne au dernier moment. Allez, on est bon. Ah merde, bon. Forcément, fallait que ça foire au bout d'un moment. Voilà. Lui, il m'emmerdera plus. Escorter Bill et Charles jusqu'à la voiture de patrouille. Bon bah c'est là. Notre voiture se trouve juste par là. Dis-moi, tu les as bien sur toi, hein? Merde. On prend des petites munitions au cas où. Du caoutchouc. Elles sont juste là. Il a l'air d'être avec nous, lui. Sinon, ils nous auraient déjà attaqué. Eh ben ça alors! Un comité d'accueil. Comme c'est gentil. Salut les gars. Oh. Eh ben, Ishura, monsieur, vous êtes avec nous. La voiture se barre toute seule. Je sais pas si c'est normal. Ah non, il y avait un chauffeur à côté. Comme s'il pouvait pas la garer là. Je peux savoir qui t'es. Ces deux-là m'ont engagé pour les aider. Hein? C'est clair qu'ils ont l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Mais il y a quand même un truc qui m'échappe. À mon avis, ça appartient au quiz, histoire, je sais pas pourquoi. Un peu de ketchup? Vous aviez plus de serviettes? Ouais, mais. Non, c'est pas nous. Moi, perso, je. Toi, tu serais capable d'aligner plus de deux mots. Il y a eu une fusillade, un type a été touché, il se sent. Après ça, on a rapporté ton truc ici. On m'a laissé à l'étage, alors c'est tout bon. Encore un baratineur. Bah voyons. Ok, la troisième sera peut-être la bonne. Il raconte des cracks. Non, tout est mauvais. On va essayer d'être honnête, on va voir. Ah, c'est bien dommage. Tu vois, j'aime vraiment pas qu'on se foute de ma gueule. Allez, on va dégainer, ça va partir en couille à tous les coups. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Allez hop, voilà. Fallait que ça arrive. Allez hop, au jugé, même pas besoin de viser. Hé, hey, où sont les flics quand on a besoin d'eux? On était juste derrière toi. Ça y est, c'est fini. Pour rappel, c'est censé être des flics. C'est comme un peu des fiottes, hein, ils m'ont laissé faire tout le taf. Merci. Alors, on y va ou quoi? Ouais, ouais. Est-ce que je monte avec eux ou pas? Ah bah non, ok, je vous aide et vous me laissez en plan comme ça, ok, bande de connards. Bon, je peux au moins aller à l'extérieur quand même. C'est la dernière fois que je bosse pour la police. Que tout soit clair. C'est la dernière fois que je bosse pour les flics. Tu es de mauvais poil, on dirait. Je me passerai des détails. Si le client est content, alors moi aussi. Le contrat est bouclé.
Alors terminons au moins 3 contrats, il y en a déjà 1 sur 3, on avance un petit peu, c'est déjà pas mal. Alors, au niveau du perso, est-ce que je peux pas des fois améliorer un petit truc? Ça vaut le coup de regarder. Et dans le sang-froid. J'essaie d'améliorer un peu tout. Allez, ça c'est bon. On va équilibrer un peu les compétences. Et on va retourner sur la carte, voir ce qu'il y a à faire. Ah, ça c'est quoi là? Ça tous les coups, c'est les missions secondaires. Trouver le ring à Pacifica. Ah, moi, c'est les contrats que je voudrais, je m'en fous un peu. Là, on a quoi? Des activités, on s'en fout. Ah, contrat, voilà. Parfait, on est d'accord. Et on va appeler une bagnole parce que j'ai pas... Merde, non, je vais pas faire ça. Bon, tant pis. Après, une voiture, je prends pas souvent. Tu vas prendre celle-là. Et ma tuture, normalement, qui s'en est arrivée toute seule, qui s'est garée au bout là-bas. Parfait, on va aller la prendre. Merde, je voulais pas cette vue-là. Ah, et en plus, je voulais activer la radio, mais elle était déjà activée, donc je me suis fait chier pour rien. Un petit peu de route à faire, mais c'est pas grave. On va essayer de limiter les accents. Salut mec, le jeu vaut le coup maintenant après le patch 2.0. En vrai, franchement, totalement, ouais. Bah, de toute façon, depuis qu'ils ont fait. Bah, déjà, salut à toi, Jamel de Blues. J'aime bien le pseudo stylé. Bah en fait ouais bah tu sais finalement ce qui merdait au début c'était les versions PS4 et Xbox One en fait. Depuis qu'ils ont fait le gros patch mise à jour PS5 Xbox Series, franchement le jeu tourne nickel hein. En plus moi dis-toi à l'époque j'avais acheté la version PS4 mais en fait j'y ai joué depuis une PS5 via la rétrocompatibilité. Et la puissance de la PS5 en fait fait que ça limitait les bugs. Donc même avec la version PS4 sur PS5 c'était correct malgré quelques bugs. Donc ce qui faisait merder le truc en fait c'était vraiment d'y jouer sur une Xbox One, une PS4. Mais là le jeu vaut carrément le coup, ouais. Et puis le DLC est vraiment sympa. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, du coup le Phantom Liberty. Mais ouais, en tout cas moi en tout cas j'aime bien. Sans soi Cyberpunk c'est un très bon jeu hein. Depuis le début la version PC est excellente. C'est uniquement les versions PS4 et Xbox One qui étaient claquées au sol. Ok, donc oh là, elle a l'air concentrée la meuf. Excusez-moi, tiens, je vais essayer de l'interpeller. Excusez-moi. Oh, pardon, j'avais la tête ailleurs. Bienvenue au Doudropin. Ici, chaque jour commence par un sourire. Dit-elle en m'ayant complètement ignoré. J'ai rendez-vous ici avec quelqu'un qui s'appelle Booker Updike. Oui, et. Il est là? Oh, je sais pas. Je remplace ma meilleure Choum. Elle passe sur le billard aujourd'hui. Ok, alors bon, bah, on va poser quelques questions, bien sûr. Vous trouvez? On doit tout ça au Sixth Street. Si quelqu'un vient ennuyer nos clients, il s'occupe de lui. C'est toi, Jamel, du coup, t'avais joué un petit peu au jeu, c'est ça, non? Enfin, tu l'as fait, du coup, déjà? Ouf, tant mieux. Je suis pas censé parler aux flics. Alors, est-ce que... Bah, est-ce que je pourrais avoir une chambre? Alors, on va essayer. Oui, on a une chambre au rez-de-chaussée. Ça vous convient? Bon, allez. Hein. Bon, ça fait partie de l'histoire, on a peut-être pas trop le choix que de dire oui. Ce sera la chambre sans... On dépense 50 sur le moment, mais si on remplit notre mission, on gagnera plus d'argent. Donc au final, on est gagnant à long terme. On va être tenu pour responsable des dommages subis par le client ou ses effets personnels. Nous nous réservons le droit de refuser toute personne par la force si nécessaire. Nous vous souhaitons un agréable séjour.
Merci. Je me sens déjà comme chez moi. Eh bah parfait. Donc, que je suive le bon itinéraire, donc ça doit être par là. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est bon, monsieur, on s'énerve pas, je ressors. Je me suis complètement foiré d'endroit. Le mec, il arrive, il fout déjà sa merde, quoi. Mais non, mais fallait que je reste ici, putain, mais... Mais je veux pas me battre avec les gonzes, c'est quoi ce délire? Je veux juste une chambre d'hôtel, les gars, je veux pas d'embrouille. Ah, puis vous savez quoi? Et puis merde, allez. Je suis pas là, tu m'as pas vu. Voilà, allez, ciao. Ah voilà, une petite carte d'accès, c'est peut-être ça qu'il me fallait. Ce connecteur, on va fouiner un petit peu. On va fouiner. Et on va pirater un peu tout ça. Ah, je suis pas forcément l'expert du piratage. Mais c'est pas très dur à comprendre. Dès que c'est en surbrillance, faut appuyer. Bon, déjà, premier échec, ça commence mal. Deuxième échec, ça commence mal. Allez, au moins 1 sur 3, quand même. Ah, quand même, 1 sur 3, c'est pas mal. Trouver boucleur applied facultatif. Bah, on va quand même essayer. Et toi, du coup, Jamel, alors, tu l'as fait ou pas le jeu? Ou tu comptes le commencer maintenant? T'en es où, toi, par rapport au jeu? Allez hop, ça c'est bon, au moins comme ça je sais qu'il m'emmerdera plus. Par contre lui il a l'air complètement camé. Même les pubs à la télé elles font complètement droguer. En fait, dans le jeu, ils sont tous drogués, quoi. Où serait-ce cette personne? Salut, tu bosses ici? Non, je profite juste de la vue. Je t'ai demandé gentiment, faut que je repose la question. C'est bon, pas la peine de s'énerver. Oui, je m'occupe de la maintenance. Plomberie, électricité, un peu tout. Je cherche un ami, Booker Updike. Laisse-moi réfléchir. Un grand type blanc? Plutôt du genre discret, c'est ça? Possible. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Pourquoi tu crois que c'est lui? Bah, il est enfermé dans sa chambre. Il sort jamais. Même pas pour prendre un café le matin. Bah bon, le client est roi, non? S'il veut qu'on lui foute la paix, pas de problème. On pose pas de questions. Ok. Ouvre-moi sa chambre. Ah oui, j'ai besoin d'y aller du coup. Hey, je viens de te dire qu'on respecte la vie privée ici. Il sortira s'il en a envie, ok? Je te déconseille de m'énerver ou soudoyer. Ah, est-ce qu'on le menace ou pas? On va essayer. Je crois que t'as pas bien compris. C'était pas une question, ni une requête. Mais... Hey, regarde-moi. Dans les yeux. Ah. Réfléchis bien à ce que tu vas dire, Chumba. Sinon, tu pourras peut-être plus jamais l'ouvrir. Ok, suis-moi. Bah voilà, je vais le persuader un petit peu. J'aurais pu le soudoyer, mais non, je l'ai menacé, tant qu'à faire. Tu m'as jamais vu, d'accord? Alors. Oh, quelle horreur. C'est peut-être encore pire que chez toi. À ce point-là. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai l'impression. Sûrement pendant son sommeil. Une mort paisible dans cette ville? Ce type est un gros vénard. Peut-être analyser. Voilà, scan en cours, on va faire ça.
Peut-être scanner aussi un peu tout ce qu'il y a là. Oh, je vais garder. Tu sens cette odeur. Ça vient de la ventilation. Des vapeurs de la chambre au-dessus. Attends, attends, on dirait. Oh, de la néo-amphétamine. Tu vas me dire que tu peux reconnaître une drogue juste à l'odeur? Comme un chien policier? Je dirais plutôt comme... comme un sommelier. Parce que j'aime le bon vin, bien sûr. Je devrais aller voir là-haut. Mon petit doigt me dit que c'est là que je trouverai le stock de notre cher Q-Dog. Près d'une ventilation. Voilà, il y a la chambre à l'étage, bah, très bien. Eh ben, allons-y. Je crois que c'était par là. Ah oui, d'accord, faut passer là aussi. Sauf que c'est encore au-dessus. Il y aura moyen d'aller plus haut. Oula. Visiblement, j'ai pas le droit d'être là. Allez hop, ça c'est fait. Et on va y aller discretos pour la suite. Et voilà, au moins un sur les deux. Oula, merde, les flammes. Ah bah voilà, je sais bien que les renforts allaient arriver au bout d'un moment, évidemment. Ah, je vais faire ma fouine, hein. Je vais fouiller un peu de partout. Ah, bien sûr, ok. Bon, pas grand chose visiblement à l'extérieur. Ah non, merde, mais je suis con, la ligne bleue elle était là. Fallait que j'aille ici. Fallait que je passe par là. Je prenne ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on pique tout, récupérer le conteneur d'acide bêta. T'es toujours là, Jamel, du coup, parce que t'as... tu avais posé une question, je t'ai répondu, mais je sais pas si si tu m'as entendu ou si t'es toujours là. Quitter le motel, ça évidemment. Avec Cassos, comme s'il ne s'était rien passé. Bah voilà. Et déposer l'acide bêta au point de dépôt. On va reprendre ma bagnole et puis on va se barrer. C'était pas très éloigné, mais en voiture au moins on va plus vite. Alors selon les moments de la journée, quand même c'est plus ou moins rempli la ville, hein. Là il n'y a pas grand monde. Voilà, je suis livreur chronopost les gars, je viens de livrer un colis. Voilà, dépôt un objet de mission. Voilà. Le colis a été livré. Ah bah quand même, les sous-sous, enfin, je vais pas y attendre. Au niveau du personnage, un point d'avantage disponible, on va peut-être l'utiliser. Hein.
Ouais, il est par 2, voilà. Là, j'ai 10, 10, 10. Et à sang-froid, j'ai encore 9. Donc, on va essayer d'améliorer ça. 4 points d'attributs disponibles et 4 points de reliques disponibles. Putain, j'ai pas fait les reliques encore, merde. Faut peut-être que je le fasse. 3 points. Ça me coûte 1. Ah, d'accord, je peux pas. Et là, je pouvais. Ok, donc ça a amélioré quoi? Camouflage d'urgence. Un port sur R1, ça c'est pas mal. Et protocole sensoriel. Lorsque vous êtes en position accroupie, le temps est ralenti temporairement si un ennemi vous détecte. Ah, bah c'est pas mal. Bon, les points d'attribut. Je crois que c'est là-dedans. Je sais plus comment les. Comment on met les points d'attribut. Réinitialiser les attributs, bah non. Point d'avantage, point d'attribut. Personnage. Matériel cyber, peut-être. Peut-être que j'améliore aussi mes trucs. Moi, ça fait un moment que j'ai pas. Pas amélioré mon perso. Je veux dire, s'il n'y a pas d'autre chose. Là, je crois que je suis à 14, 8, 7, 10. Enfin, je vais peut-être aller voir Charcudoc. Le bras, le visage, système d'exploitation. C'est bien, j'ai l'impression d'être un ordinateur, quoi. Système d'exploitation. Bienvenue dans Windows 11. Alors, j'ai pas trop compris encore le système d'amélioration des attributs. Rejoindre Onako à l'Amber. Donc non, ça c'est pas ça du tout. Ça c'est la mission principale du jeu. Il y a encore un contrat. Quelque chose, vous êtes censé saboter, se trouve ici. Contrat, toujours les contrats. Ça, c'est la mission principale, rejoindre Anako à Lambert. Alors, comment je fais là pour faire les missions de. Les autres missions du DLC là, je comprends pas. Genre là, pour le moment, j'ai rien en cours en fait. Des fois, faut peut-être attendre un peu, prendre à des contacts. Cela, ça va m'emmener directement à la mission finale, mais. C'est pas trop ce que j'ai envie de faire là du coup. Ah, j'ai un truc en blanc, ça me mène où ça? Permet de vendre et déposer des trucs dans ça, je m'en fous en fait. Les missions, points de service, personnalisé. En fait, c'est les missions pour le moment. Là, j'ai que des contrats ou des missions secondaires. Ah, je comprends pas trop du coup. Ok, donc là je n'ai aucune idée de comment on accède aux autres missions du DLC. Puisque là, le rejoindre Anako à Lambert, c'est parti du jeu d'origine et pas du DLC. Trahison à la menace, on s'en fout. Mission secondaire, mais c'est pas ça. Putain, alors là, franchement. Ah, à moins que si j'utilise le téléphone et que dans mes contacts,
J'ai qui en contact? Monsieur Ed, Meredith, Nancy. Le mec popole en feu. Administrateur, association, coach Fried. Bah non, c'est pas ça du coup. Blue Moon, Carole et Mika. Alors j'avais passé deux petites secondes la caméra pour voir ce qu'il y avait derrière, parce que la webcam était pile sur la liste, j'arrivais pas à lire les autres. Judy, Lizzie, Mr. Hands. Ah, comment il s'appelle l'autre crétin là? Reed, peut-être Reed, on va voir. Alors s'il répond. Bah non, évidemment, bien sûr. Je crois qu'on appelle ça un échec. Ah, je suis un peu coincé, là, je sais pas trop. Ah. Il y a tous les sous-traitants. Même ça, on s'en fout, c'est pas ça, du coup, qui m'intéresse. Ah, Panam. La compense spécialisation, tu les ai dit. Allez, on va mettre ça. J'ai pas grand chose, je reste tranquille. Je sens que tu transpires bizarre. Voilà. On va dire ça aussi. Bon, tu vas lui passer un petit coup de fil pendant qu'on y est. Tu... Ah, mais on va dire ça. Tout va bien. Ça dépend de ce que tu veux dire par tout et de ce que tu veux entendre. Oh, tu sais, la routine. Tu m'as manqué, V. Et... Ah ouais. Je vois que tu t'es déjà fait toute la scène dans ma tête. De l'habitude, c'est ça? Panam. Mais bon, c'est vrai, tu m'as manqué. Ah, blablabla. Bla, bla. Allez, bon, j'avais déjà dit ça, du coup. A plus, V. Donc là, on s'en fout. T'as vraiment, j'arrive pas à trouver une mission qui correspond au DLC du jeu. C'est fou quand même. Comme si là, pour le moment, j'avais rien à y faire en fait. Je dois faire quoi exactement? Ça, c'est tous les messages. Alors là, je vois pas qui je peux appeler. Monsieur Hens. Nix, Panam, Placide, Reed. Mr. Hens, peut-être. Oui. Ah voilà, on se rencontre quand? Pareil que Nightwatch s'est mis dans les affaires de Pacifica. Ouais, mais il on va dire que ça. Nightwatch est en chasse, que ses agents fouillent par ici. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Malheureusement, ce problème dont j'ignore tout ne concerne que les VDP. À tel point que la consommation électrique dans le quartier a diminué de moitié. Les problèmes des voodoos vous empêchent de dormir? Monsieur Hens est un altruiste? Non. Ce qui m'empêche de dormir, c'est qu'on perturbe le statu quo. Je suis inquiet quand on sème le chaos. C'est mauvais pour les affaires. Bah, quand est-ce qu'on se rencontre? Je vais quand même lui demander. Peut-être aider. Peut-être jamais. Peut-être demain. Quand ce sera absolument nécessaire. Mais pas. Vous cherchez pas à vous faire de nouveaux tchoums. V, aucun tchoum ne t'offrira ce que je t'offre. De l'honnêteté. En toutes circonstances. Ok, bon, ça m'a pas beaucoup avancé. Moi aussi, le temps c'est des édits. Ouais, le temps c'est de l'argent, bordel. Je vais peut-être attendre, on verra bien. Allez, on va attendre jusqu'à... Allez, jusqu'à 7h50 du matin, on va voir. Début de journée. Ça va peut-être mener à quelque chose. Et il fait un temps brumeux dégueulasse, on se croirait sur la planète Mars. Une grosse tempête de sable dans la ville.
Alors là, franchement, je comprends pas là. Ouvrir le journal, mais oui, mais ça c'est que des missions principales. T'as mis au moins 3 contrats. En attendant Dodger. Ah mais je les ai fait du coup là. Ah non, il y a lui. Rencontrer le client de Mr. Hans, Odell Blanco. Hein, putain, c'est ça que je... Ah bah voilà, d'accord. Je devais aller là, ok. Il manque un contrat, tout s'explique. On va aller voir. Je me disais bien quand même que ça pouvait pas rester bloqué comme ça et c'est que j'avais forcément loupé un truc. Comme une radio, cela on entend que dalle. Ah, on va mettre quoi? On va mettre allez, Pacific Dreams. Alors, le son de la radio est un petit peu faible par rapport au son global du jeu. Pourtant c'est censé être à fond. Voilà, changer de station. Stand for you, poussez-vous. Oula oula, on va essayer de délimiter les chocs. On va essayer de pas s'en prendre une dans la gueule. Évidemment, au moment où je dis ça, je me viande comme une merde. On va essayer de tourner tranquillement, sans faire de dégâts. Voilà, facile. Ah voilà, en plus ça m'ouvre la porte. Parfait, merci. En cours, j'espère qu'ils vont rien détecter de chelou. Normalement, c'est bon. Scan terminé, ah, parfait. C'est le checkpoint, le truc. Voilà, là, on peut repartir. Bon, vraiment, le son de radio des voitures, c'est ultra faible. Je vais quand même aller voir dans les options si des fois on peut pas mettre le son SFX, général, musique, radio du véhicule. Oh, c'est à 100% pourtant. Donc là, je comprends pas. Allez, on va aller là. Le petit contrat. Le pansement est toujours sec. Les poings n'ont pas lâché. Ah d'accord, je dois parler au type. Ok, je viens de comprendre. Je tiens à peine debout. Je peux pas te donner plus de mort. Je m'appelle V. Le fixeur m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Plutôt d'un miracle. Si les désos ne partent pas rapidement, nos patients vont commencer à mourir sur le trottoir. Alors, c'est quoi votre rôle? Une clinique dans une église ou... Pourquoi vous appelez pas le bar guest? On va faire dans l'ordre. Vous croyez que les gars de Hansen tenaient les gangs de Dogtown à distance? Ah, les désos ont dû passer un marché avec Bennett. Vous savez, le lieutenant de Hansen dans le quartier. Quoi? Le salaire du barguest suffit pas pour payer les factures? Comme il est écrit dans le livre, les prisons aveuglent les yeux des sages, ce que Bennett n'est pas. Alors, une clinique dans une église, c'est que c'est pas très courant. Oui, la mienne. Mais de nos jours, les gens ont bien plus besoin de transfusions ou d'implants que d'absolution. Au moins, vous les aidez toujours. Oui, mais où trouver un prêtre pour se confesser? Et c'est quoi votre rôle ici? Alors, vous êtes le bras droit d'Anderson? Je ne suis pas médecin, si c'est votre question. J'apporte le réconfort spirituel. Et ça se passe? Les patients sont effrayés. S'il arrive malheur à Anderson, ils n'auront nulle part où aller. Ah bah ce serait con, faut ajuster les réglages de charge. Mais là je peux pas dire ça parce que j'ai 10 de capacité. Et il y a certaines phrases en fait qui se développent
que si on a atteint certains types de capacités. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire si on n'est pas assez compétent. Et là, par exemple, je ne peux pas m'adresser au patient pour lui dire qu'il faut ajuster les réglages, puisque j'ai 10 de capacité sur 13. Donc je vais dire les Désos, ils veulent quoi à Anderson. Je vais lui demander ça. Les Désos, ils lui veulent quoi au docteur en chef? Eh bien, il y a une fille avec eux, Mika Jankovic. Elle a dit qu'elle cherchait son frère. Quoi, c'est un de vos patients? Écoutez, c'est tout ce que je sais. Elle voulait parler à Anthony et semblait vraiment contrariée. Les Désos, mais ils ne cherchent pas d'implant. Si c'était une question des... Alors moi, vu que je suis issu du type gosse des rues, il y a certaines phrases que j'ai débloquées. Soit, au début du jeu, on choisit le type de personnage qu'on veut, soit on va être corpo, gosse des rues ou nomade. Et selon notre origine, il y a des réponses qu'on peut plus ou moins débloquer. Les Désos vous laissent quand même vous occuper des patients. D'une certaine façon. Cette Mika leur a ordonné de tous nous faire sortir. Personne n'est autorisé à rentrer. Elle a dit que c'était entre elle et Anthony. Elle ne veut pas qu'il y ait de mort. Ou de témoins gênants par la suite. Alors, je sais comment pour entrer. Où il est, où Anderson? Anderson, il s'est enfermé dans son bureau? Oui, c'est le seul endroit un peu sécurisé. Trouvez l'hôtel, tournez à droite et descendez au sous-sol. Si les Désos font du mal à Anthony, eh bien, tous ces gens seront dans une vraie galère. Ok, eh ben on va faire notre possible. Voilà, donc là, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans la clinique. Une clinique-église, en fait. Le Seigneur vous soignera si vous pénétrez en ces lieux. Ok, j'en étais sûr, j'ai pas le droit d'être là. Bon, on va fouiller un petit peu. Et puis si j'ai pas le choix, ben, j'emploierai la manière forte et j'entrerai de force à l'intérieur. On va quand même essayer de fouiller. La caméra, est-ce que je peux pas la hacker? Manipuler fonctions de base à l'appareil. Procle dysfonctionnement. Voilà, on l'a dysfonctionné. Ah, je peux pas forcer, putain, le seum. Alors ça, c'est con. Donc je l'ai piraté pour que dalle. Peut-être qu'en passant par-dessus. Donc évidemment, ils sont tous défoncés, sinon c'est pas drôle. Et là, je suis beaucoup trop loin. Bah, je crois que j'ai pas le choix, hein. Je dois repasser là-bas, il y a tous les ennemis. Mais je suis clairement pas le bienvenu. On va essayer de se les faire furtivement. Putain, évidemment. Je suis pas là, bordel, je suis pas là. Allez, tu l'as. Je suis pas là, m'avait pas vu. Putain, je vais me faire griller. Je suis sûr que je vais me faire griller. Bon. Je prépare déjà à combattre parce que je sens que je me suis fait griller. Donc pour ce qui est de l'infiltration, je pense que c'est foiré. Oh merde! Oh, c'est con ça! Est-ce que j'ai pas un sniper dans mon équipement, moi? Merde, non, mais non, pas du tout, je voulais pas faire ça. Ah non, c'est pas là que je voulais faire. Ouais, dans inventaire, voir si je peux pas choper un sniper à la place du fusil à pompe. Pistolet, fusil de précision. Voilà, ça que je voulais. Je vais essayer avec ça. Par contre, comment est-ce que je règle ça, moi?
Je sais pas comment on active la lunette. Bon. Bon, tant pis, j'ai complètement foiré mon truc, c'est pas grave. Allez hop, ça c'est fait. On change un peu les armes, hein, on varie un peu. J'ai pas mal d'armes en stock. Bon, faut vraiment recharger plus vite. Parce que là, ça va être compliqué sinon. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Bon, j'ai utilisé la manière forte, mais au moins c'est efficace. Je passe par là. Et d'ici, logiquement, je peux y aller. Heureusement qu'ils sont un petit peu nuls quand même. Hein. Oh, c'était qui? Oh bah. C'est vite vu, je vais me le faire de loin. Voilà, bonne nuit. Cordialement. Passer par en dessous. Oh le headshot. Je vais me les faire avant de partir. Allez, pareil, on va pas le laisser s'approcher. Alors si je vise à côté, ça va être con. Voilà. On va changer d'arme, tiens, on va reprendre l'autre. Ah, le petit sabre, allez, on va le faire au sabre. Voilà, on va sabrer un peu. Maintenant, c'est de trouver tout ce bordel. Voilà, donc ça va être quelque part par ici. Il y a une ligne de dialogue là. Une bulle de dialogue, donc ça doit être par ici. Voilà, je pense qu'on y est. Où est Gaspard ? Parle ! Du calme, baisse ton arme, on va parler. Je suis là pour Anderson. Je dois le sortir d'ici en vie. Et moi, je suis là pour mon frère. J'en ai rien à foutre de charlatan. Toi, connard, debout. Il est où, Gaspard? Dis-lui ce que tu sais, personne sera blessé. Bah ouais, tant qu'à faire, crache le morceau. Pour moi ou pour les désosseurs? Tu vas parler, putain! Tu t'arrives! Et toi, le merc, aide-moi! Démerde-toi, on va dire plutôt ça. Pas buter quelqu'un juste parce que tu préfères fermer ta gueule. Putain, mais j'y crois pas. Gaspard est mort. Quoi? Tu mens! Il était juste un peu malade. Ton frère était tellement défoncé que ça a grillé son éditeur métabolique. Il était dans le coma avant même d'atterrir sur ma table. Hein? Il est mort comment? Injection de morphine. Ses autres implants risquaient d'être endommagés. Et j'ai d'autres patients qui ont besoin. Mais j'en ai rien à foutre de tes autres patients! Seul! Ah, ton frère s'est fait ça tout seul, il a pas souffert moins, tu vas tuer pour des pièces. C'est toujours pareil. Les camés vivent rarement très vieux. Je pouvais rien faire. Pourquoi retarder l'inévitable? On va extraire ses implants. Ils iront à des gens qui en ont encore besoin. Tu poseras pas un putain de doigt sur lui! Rends-moi mon frère! Tout de suite! Ah là, elle est un peu dans le déni, là. Qu'est-ce que t'as dit? Putain! Oh, à l'aide! Ouais! Dans... Quoi? Va chier, sale des os! Prends son frère Anika, ouais, allez. Implants, je comprends. Mais va falloir trouver une autre solution. Oh, quel gâchis! Dis Anika où je trouve son frère, ou je vais personnellement faire don de tes implants. La morgue dans la réserve. Ah bah voilà. Voilà la carte. T'es dissuasif. Sale putain de fils de pute. Au moins c'est clair, elle parlait à Nika et Anderson. Tu viens de tuer tout un tas d'innocents. Tu sais quel effet ça fait? Oui. Je ne le sais trop bien.
Alors, je vais aller lui parler. On va se mettre en face de lui. Ah, Yassa, t'es pas le seul. Et comment va ta main? Pour le moment, sa main, on s'en fout. Tu laisses venir les gens, et après, tu décides qui doit faire un don. Je n'ai jamais abandonné quelqu'un qui pouvait être aidé. Quand ta clinique manque de presque tout, tu dois être pragmatique. Faire des choix difficiles. Ah, comme lui demander comment va sa main, on n'est pas non plus un enculé totalement. De l'autre. On a évité le pire au moins. Tu devrais revoir tes méthodes, je comprends. Ouais, on va dire quand même de revoir ses méthodes. Nika sera pas la dernière à débarquer ici. Et tu feras quoi alors? Je ferai pas appel à toi, ça c'est sûr. Les patients, ils n'ont rien? Ils sont avec Odell, ils attendent dans la rue. Dis-lui qu'ils peuvent revenir. Il faut nettoyer tout ce foutoir. Est-ce que j'ai encore des choses à lui dire des fois? Non, pas du tout. Ok, bah Cassos. Peut-être que je lui parle à elle, accessoirement. Elle me fait de la peine. Anderson aussi doit avoir ça sur la conscience. Ce type a une éthique discutable. Mais comment tu veux qu'un doc se démerde à Doctown? Tout le monde était perdant dès le départ. Faut que les patients reviennent ici. Je sais ce que tu ressens. Écoute, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un qui était comme un frère pour moi. Laisse-nous, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, c'était lui. Ok, bon bah nickel, on va faire ça. Et bonjour à Streamrunners, bienvenue à vous. Bonjour tout le monde. Alors, je me barre d'ici, évidemment. Ah merde, non, je veux monter dessus. Voilà, et on va utiliser ça pour aller au rez-de-chaussée, bien sûr. Non, ça on s'en fout, je dois juste sortir en fait, très bien. Et bon, on se casse de là. Et pour la sortir, c'est plus une église, voire une chapelle, qu'une vraie clinique, soit dit en passant. Et on va se barrer par la sortie de secours. Allez, hop. Merci, bonjour chez vous. Bah voilà. Ah, c'est la clinique la plus what the fuck de l'histoire quand même. On était plus dans une église, chapelle qu'une vraie clinique. Alors, terminé au moins 3 contrats pour Mr. Hands, mais j'en ai que 2 sur 3. C'est incroyable, vous voyez que ça avance jamais. Ah, traitement des symptômes, bah tiens, on en reparlait. On va aller là-dessus. On va aller voir. Très bon boulot, V. Ah, merci, merci. Hello, la caillasse. Sur ce, on va faire autre chose. Alors, c'est de rouler tranquillou. Ah, là, c'est parti. Merde! Oh merde, je voulais pas le. Ah non! Ah putain, je m'attendais pas à ça! Ah la boulette! Oh, c'est con ça! Je voulais pas faire ça du coup! Je suis pas là! J'ai tout fait, puis je me réveillais au moment de perdre connaissance.
Ah merde, je peux pas aller là. Ah, je te fais encore un corps direct, perds pas de temps. Ah, cela joue un peu bourrin pour une fois, on va voir ce que ça donne. Allez, un peu de corps à corps. Voilà, Jean-Michel Tourelle éliminé. Voilà, next. Un peu de corps à corps de temps en temps, ça fait pas de mal. Je la joue bourrin exprès. Je sais pas combien de temps je vais survivre dans ce merdier. Même si à un moment donné, peut-être pas déconner. On va reprendre du flingue. Oh, ça c'était rapide. Ah, dites-moi dans le chat hein, si on a qui joue au DLC aussi. Est-ce que vous pensez de la mise à jour 2.0? Est-ce que le truc c'est vraiment mieux que l'ancienne version ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Moi je trouve que piquer la mise à jour 2.0 c'est beaucoup mieux, moins de bugs. Et puis depuis qu'on est passé à la full next gen, ce n'est plus bridé par les versions PS4 et Xbox One. De toute façon, le jeu aurait jamais dû sortir sur ces plateformes. En vrai, il était vraiment pensé pour la next gen à la base. Mais ils ont voulu maximiser les ventes, donc forcément ils ont dû faire des concessions pour que ça tourne. C'est toujours pareil avec la cross génération. On nivelle le niveau vers le bas pour que ça puisse tourner partout. Et malheureusement, c'est complètement au détriment de la qualité. Oh, lui, il va me faire chier par contre. Allez, on l'a, connard. Il va me faire chier, Lucien. Ils sont résistants ces connards. Incroyable. Bon là par contre je perds beaucoup trop de vie. Voilà, on se régénère un peu. Voilà. On va essayer de survivre, hein, c'est pas facile. Voilà. Faut arrêter de vous reproduire, les gars, là, c'est plus possible. Allez, 31%, je l'ai presque. Allez, j'y suis presque, 14%, bordel. Allez, c'est bon. Neutraliser le robot, bah là on est bon. Allez, parfait, on se casse. Hey, attention avec ça. Je suis relié au runner, vous voyez. Il faudrait pas qu'il se prenne une balle perdue, hein. C'est un homme mort de toute façon. Maître runner, maître chanteur, meurtrier, c'est ma cible. Il a un peu de sang sur les mains, oui, mais... Milko, c'est personne. Un petit poisson dans une grande mare. Agent Alan Noël, de Netwatch. Spécialiste du crime organisé. Je suis sûr qu'on peut arriver à un... Ah ben jour, ben soir, bien sûr, peut-être. Vous connaissez Bryce Mosley, c'est ça. Et moi, c'est Lizzie Wizzy. On va essayer de trouver un accord pacifique, on va voir. J'ai croisé un Gochum récemment. Lui aussi tournait autour des Voodoo Boys. Vous l'avez salué avec un flingue, lui aussi? C'était sa faute. Il a essayé de me bousiller le cerveau. C'est pour ça que je vais pas perdre mon temps avec un corpo, cette fois. Laissez-moi au moins me débrancher de Milko. D'accord, mais faites un geste de trop et vous êtes mort. Évidemment, on sait accueillir les gens ici. Maintenant, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas tuer Milko. Pas encore. Donnez-moi une seule bonne raison. Vous voulez m'en empêcher? Essayez. Des mois que je dois supporter cet endroit. Enfermé avec ces raclures de la société. Je cherche à exposer leur réseau de maîtres chanteurs et de meurtriers. Comme ce Milko. Mais pour y arriver, je dois d'abord trouver qui tire les ficelles.
Bonne chance alors, Milko est votre source ou je dois protéger ma cliente? On va quand même poser encore une série de questions. C'est votre source? Je le colle à chaque fois qu'il se connecte au net, pour essayer de savoir qui lui donne des ordres. Donnez-moi une chance. Vous vous rendez compte du nombre de gens que vous pourriez sauver? J'ai des rapports de victimes sur toute la côte. Milko n'est qu'un des runners travaillant pour les Voodoo Boys. Dès que j'aurai trouvé qui est à la tête de leurs opérations, je pourrai la couper et mettre un terme à tout ça. Ok, très J'ai bien. J'ai besoin de Milko. Sa mort seule ne changera rien. Vous comprenez? Alors, je dois protéger ma cliente. Si on suit votre plan, ma cliente meurt. Ah, j'avoue, hein. Pour vous, ces victimes sont des nombres dans un fichier. Sans nom, sans visage. Ma cliente, elle, elle a un nom. Indira Baradza. Et elle mourra si je fais pas mon travail. Vous croyez que je ne le sais pas? Débrancher Milko ne sauvera pas la vie d'Indira. Il sera juste remplacé. Tu crois qu'il se soucie des pauvres crétins qui se font hacker par les Voodoo Boys? Il s'en fout complètement. Les costards cravates comme ça. Ah, ça c'est sûr qu'il s'en bat les couilles. Il cherche juste à être l'employé du mois le plus lèche-cul possible. Alors je dois protéger ma cliente ou... D'accord, terminez votre mission. Est-ce qu'on prend le risque de lui faire confiance ou pas? Ça peut éviter des morts en plus. D'accord. Continuez de faire votre truc. Juste une chose. Si vous merdez... Bonjour, salut Flokix, tu vas bien? Vous le regretterez pas. Je vous le promets. Ah bah j'espère qu'il va pas me le faire regretter parce que je l'ai quand même épargné alors que j'ai pu sauver ma cliente. On va voir. Ça va, nickel, nickel. Quoi de beau? Et toi? Bah écoute, ouais, ça va, ça va. Je reviens d'une convention hier, j'étais au Savoir Retro Games, à côté d'Annecy. C'était plutôt pas mal, j'ai rencontré Julien Chiez et Carole Quintaine, j'ai un peu discuté avec eux parce que c'était les guests là-bas. C'était plutôt cool. Ah, c'est dommage, c'était un peu dans un vieux gymnase municipal, donc c'était un peu petit, mais c'était assez sympa quand même comme event. Et puis là aujourd'hui, tranquille, ça stream sur Twitch. Et toi, ça raconte quoi? Ah, on va défoncer ça. Est-ce que je peux sortir au moins le défonçant? Oui. Voilà, parfait. On se casse. Termine au moins 3 contrats. Bah, c'est bon, ils y sont les 3 là. J'ai validé les 3, donc normalement on est bon. Bon, aujourd'hui rien, mais hier, hier c'était après-midi karting stylé. Tu l'as fait vers où le karting? T'as fini combienième? Qu'est-ce que ça a donné du coup? Winner, allez! Nickel, petit générique de victoire pour toi alors! Ah, parfait! Vous vous rappelez de notre marcheuse? L'oseille. Oui, le Black Sapphire. J'ai une stratégie infaillible pour te permettre d'y entrer. Retrouve-moi au Ivy Arts. Ok, j'arrive tout de suite. Allez, bon, on va faire ça. On va vous retrouver, monsieur, on va vous retrouver. Lire le message de monsieur Hens. L'Ivy Arts, le bâtiment est une grande imitation d'une pyramide, impossible de le manquer. T'auras aussi besoin d'un code d'accès de l'ascenseur 2589. Ok, donc on retient le code, 2589. Mais moi, dans un truc qui a 4 roues, un volant et un moteur, et la victoire est pour moi. Ah, on sait jamais, hein, on sait jamais. Regarde en Formule 1, Max Verstappen a fini par perdre une course. Hein. On sait jamais. Allez, je vais reprendre l'autre. La Caliber, on va reprendre celle-là. Prendre la voiture du futur, du turfu bien sûr, si la caméra veut bien suivre, voilà. Alors la pyramide, à mon avis, il veut certainement dire que c'est ça. C'est plus Red Bull qui a merdé que Mac qui a perdu. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais bon, tant mieux. Comme on avait dit, comme on en avait déjà discuté, fallait bien qu'il y ait au moins enfin une erreur de Red Bull pour que le championnat prenne un peu d'intérêt. Bon, cela dit, le Grand Prix du Japon, je l'ai pas vu, mais j'avais vu que Red Bull était de nouveau sur le devant de la scène.
Donc malheureusement, c'est un suspense de courte durée. Hein. Maintenant, j'ai bien peur que Red Bull va surdominer la fin du championnat. Autant donner le titre à Max tout de suite. Hein. Comment c'est parti. Ah, donc là, on va essayer de se faufiler à l'intérieur. C'est un endroit tranquille. Alors tenez-vous correctement. Mais je suis tranquille, monsieur, j'ai rien fait. Y'a pas de soucis, monsieur, j'ai rien fait. Alors, le Heavy Earth. Il est peut-être champion de la course. Attends, toi, il peut être champion dès la course sprint, ouais. D'ailleurs, je trouve vraiment, en parlant de ça, hein, je sais pas, je t'en avais déjà parlé, mais je trouve que les courses sprint, ça sert vraiment à rien. Déjà, je comprends pas l'intérêt. Il ferait mieux de garder les traditionnelles 3 séances d'essais libres, qualif et course. Parce que vraiment, je trouve que les courses sprint, je vois vraiment pas l'intérêt, en fait. Je trouve que c'est vraiment le truc qui sert à rien. Ça complique les choses plus qu'autre chose. Et ça apporte rien, en fait. Moi, je trouve que c'est une connerie d'avoir fait les courses sprint. Ah, on va l'utiliser. C'est quoi, c'est 25,89, je crois que c'était. Voilà, parfait. S'ils veulent changer, limite, tu fais une grille inversée. Ouais, mais du coup, c'est con parce que ça pousserait les pilotes à être derniers. Moi, si tu me dis c'est en grille inversée, je fais exprès d'être dernier pour partir premier, tu vois. Donc, ça n'aurait pas de sens. Genre, je fais exprès de faire de la merde en qualif, comme ça, je suis premier et après, je donne tout pour la course. Donc ce serait contre ça pour moi, non ça n'aurait pas de sens, non je sais pas. Faut juste pas qu'ils innovent trop en fait, faut qu'ils restent dans le classique. Tu fais tes 3 séances d'essais libres, les qualifs et la course et basta, pourquoi chercher compliqué? Ah, donc j'ai toqué à la porte, on va peut-être m'ouvrir, voilà. Sympa comme endroit. Ce que tu as fait pour moi, ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen. Ah bah tant mieux, ravi de vous avoir aidé, monsieur. Exécuté à la lettre. Arrêtez, Ed. Utilisez la flatterie, sérieux, ça vous ressemble pas. Une tactique vue et revue, je te le conseille. Mais non, V. Nous sommes là pour parler affaires. Mais évidemment. Allez, allonge les billets et on pourra s'entendre. Je dois dire que je m'attendais pas à ça. Rencontrer l'homme qui ne jure que par les holos. Le mystérieux monsieur Hens en personne. De toute façon, là, Flokix, cette saison de Formule 1. Je la regarde parce que j'aime bien la F1, mais tu vois, encore une fois, c'est Red Bull qui surdomine, quoi. Donc on sait très bien ce que ça va donner sur les autres courses. Sauf retournement majeur. Ou alors en course, tu t'obliges à passer toute la gamme de gomme. Ouais, mais du coup, ça ferait 3 arrêts obligatoires pour tout le monde, du coup. À voir. Ça peut être une idée, à la limite. Passer par toutes les gommes, ça, ouais, tu vois, à la limite. Autant la grille inversée, je trouve que ça a pas de sens. Parce que ça pousserait les pilotes à foirer les qualifs pour justement partir devant. Et à l'inverse, t'aurais aucune utilité à te crever comme un porc parce que tu partirais en dernier de grille. Par contre, les 3 types de pneus, ouais, ça, à la limite, ça aurait du sens. Mais du coup, ça ferait 3 arrêts pour tout le monde, ce serait bien, ouais. Là, ouais, pour le coup, ouais. Alors, tu vois, ça en a peine pour moi. Comment ça vous aider? On va quand même poser des questions, on va être un petit peu curieux. Comment ça va vous aider avec Hansen? Prends un boxeur qui n'arrive pas à envoyer son adversaire au tapis. Parce que les courses à un arrêt, ça, c'est un peu soporifique parfois. Quand son adversaire n'a plus ouais, je sais pas. Enfin, moi personnellement, comme je te le dis, hein, ce que je trouve soporifique, c'est de voir Red Bull qui surdomine et de voir les autres se partager les miettes. Pour moi, c'est le plus soporifique parce qu'il n'y a pas de suspense. Tu sais dès le début de la course qui va gagner en fait. Mais... Donc, moi, c'est ça qui me gave en fait. Que tu as accompli me permettront de déplacer audacieusement. Maintenant qu'il y a un arrêt 2 ou 3, à la limite, je m'en fous, tu vois. Mais après, par contre, ton idée des 3 arrêts où faut chausser tous les types de pneus, là, ouais, pourquoi pas. Alors, on est de la politique et pas des plus propres. Vous voulez affaiblir Hansen et genre du... Ouais, on va poser la question, on va voir. Est-ce que vous voulez plus voir Hansen aux manettes, à Docteur? Hansen a beaucoup de pouvoir, qu'il garde avidement. Et il est intelligent. Je tolère ses traits de caractère, je les estime même, s'il reste isolé. Évidemment. Mais tous ensemble, non. Surtout pas chez quelqu'un qui tient tout un quartier dans le creux de sa main. Ça rend les affaires délicates. Je peux te proposer un thé? C'est un mélange personnel.
Bon, allez, buvons un petit coup, tant qu'à faire. Est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue, Doctor? J'espère qu'il est pas en train de m'empoisonner, parce que là, je sens la douille venir. J'ai entendu un peu de tout. C'est un truc lié à la guerre. Cela dit, s'il boit aussi, c'est que ça va. 2069, le colonel Hansen menait une opération baptisée Midnight Storm. Ah, donc je rappelle hein, qu'on est en 2077, d'où le titre du jeu, donc 2069, c'était il y a 8 ans. À Night City. Peu de temps après, toutes les parties ont accepté un cessez-le-feu. Et Hansen a dû se débrouiller seul. Ses responsables, le public, tout le monde a choisi de l'ignorer et de prétendre qu'il n'avait jamais été là. Mais notre bon colonel a choisi de s'installer ici et de déclarer que cette zone de combat est un territoire des NUSA. En d'autres termes, il s'est créé une enclave et est passé de soldat à marchand d'armes du jour au lendemain. On l'avait abandonné ici. Tout le monde pensait qu'il se prendrait une balle avant 2 semaines. Au final, il est non seulement... Mais Max, champion, en course sprint, le pauvre, il obtient toujours ses titres de façon étrange. Un homme dont ah, c'est sûr, mais bon, en même temps, il les obtient, mais j'ai envie de dire, avec la manière et la facilité, hein. Objectivement, c'est les écuries en face qui suivent pas, hein. C'est chouette de parler avec vous. C'est aux écuries en face d'être plus compétentes aussi, hein. Donc, même si c'est chiant de voir toujours Red Bull gagner, mais ils déméritent pas pour autant, hein. En effet. Tu regardes les... J'allais dire les... Comment dirais-je? Tous ceux qui pourraient prétendre renverser Red Bull, bah ils y arrivent pas, tu vois. Les favoris, Mercedes, ils y arrivent pas. Ferrari, ils y arrivent pas. Aston Martin, ils y arrivent pas. Même si à titre personnel, je trouve qu'Aston Martin, ils sortent un peu de nulle part cette année. C'est un peu la grosse surprise. Donc voilà. Tu regardes les deux dauphins de Red Bull, Ferrari et Mercedes, qui ont le plus de chances de les renverser. Bah même eux, ils sont à la ramasse, contrairement à eux, quoi. Comparé à eux, tu vois, donc... Un échange de bons procédés. Les plans du bâtiment sont à toi. Je t'ajoute même les vulnérabilités... En 2021, on connaissait la fin 2022, il est tiré sur le pénat de Leclerc en 2023 en course sprint. Attends, j'ai pas bien compris ta phrase. En 2021, on connaît la fin 2022. Ah oui, d'accord, il est titré sur le... Ok, sur la pénalité de Leclerc, très bien, et 2023 en course sprint. Ah, c'est sûr, bah disons que... Il y a à la fois son talent naturel qui fait les choses, et aussi les conneries des autres qui l'aident beaucoup, en fait. Parce qu'en fait, il est pas tellement plus doué que les autres, si tu regardes bien. Il conduit pas mieux. C'est juste qu'il y a moins d'erreurs. Donc bah, tu fais moins d'erreurs que les autres, automatiquement, bah t'es mieux placé. Parce que tu regardes par exemple, ne serait-ce qu'en vitesse de pointe pure, dans les qualifs, Ferrari et Mercedes, ils tiennent tête à Red Bull, hein. Ce qui fait le truc, c'est les stratégies de course, c'est la fiabilité et tout ça, quoi. Merci, Ed. J'espère juste que ça ne signera pas la fin de notre collaboration. À vrai dire, je devrais bientôt avoir de nouvelles missions pour toi. Laissez-moi deviner. Encore pour de la politique locale? Il y a toujours de l'action à Dogtown. Et en coulisses, les intrigues sont nombreuses. Une pensée pour ce pauvre, ouais. Bah Sergio Perez, de toute façon, il s'est fait... il se fait utiliser, quoi. Sergio, il est là uniquement pour aider Max à gagner, en fait. C'est un peu dommage. C'était sympa de vous voir. Je peux enfin mettre un visage sur votre nom. Tu devrais t'estimer heureux. Très peu l'ont fait et sont encore en vie pour en parler. Ok, donc là, on est bon. Une dernière chose, V. Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie, ok? Mais évidemment, tu parles de Aston qui sort de nulle part. Bah honnêtement, c'est la grosse surprise cette année, hein. Personne les attendait en vrai, hein. Et McLaren alors? Ouais, mais tu vois, historiquement, McLaren, ils ont quand même du vécu. On sait une écurie qu'on sait qu'ils sont capables de faire des bonnes choses. Aston Martin, personnellement, pour moi, quand je les ai vus en début de saison... Je me suis dit, ouais, c'est une équipe au pire de milieu de tableau, tu vois. Au pire, ils seront en milieu de tableau. Mais de là à voir, par exemple, Alonso qui a une constance incroyable avec la voiture, tu te dis, ah ouais, quand même, Aston Martin, ils ont de la bouteille, tu vois. Moi, personnellement, je suis plus surpris. Je suis plus surpris d'Aston Martin que de McLaren, personnellement.
Moi vraiment je t'ai dit, Aston Martin c'est la surprise, genre l'écurie sortie de nulle part que personne n'attendait, tu vois. C'est un peu comme dans les coupes du monde de football, où t'as une petite équipe sortie de nulle part qui tient tête au gros poisson. Bah pour moi Aston Martin c'est ça, tu vois. Appeler Reed et lui envoyer de... Ah voilà, maintenant faut appeler Monsieur Reed. Ah bah Reed il est là. Reed, Hans m'a donné l'éclat de données. Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire. Parfait, envoie-le-moi. Et t'en fais pas, la connexion est sécurisée. Et attends, man, t'as dit quoi dans le message? J'ai pas... Tac. Ah bah c'est bon. Yep, c'est en route. Et c'est reçu. Je vais filer tout ça, Alex. Rejoins-nous au MOS une fois que t'es prêt. Mais je suis prêt, je suis prêt. Attends-moi, à plus. Voilà, rejoindre Reed au MOS, et bah c'est ce qu'on va faire. Parce que je suis déjà prêt, pas besoin d'attendre. Alors, on passe par où ici? Et on est d'accord, la déception de l'année, c'est Alpine. Bah, c'est dommage, hein, ouais, j'avoue. Bah, surtout que cette année, j'étais plutôt enthousiaste de me dire, ah, trop bien, deux Français dans une écurie française. Et malheureusement, Alpine, c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. Alors qu'ils ont du potentiel, pourtant, mais bon. Là, ils sont en train de foirer leur saison. Bah Alpine pour le coup c'est la déception et Aston Martin c'est la révélation, tu vois comme quoi. Après t'as toujours Mercedes et Ferrari qui pataugent. Bon, on peut quand même accorder à Ferrari d'avoir le crédit d'être la première équipe de la saison à avoir fait tomber Red Bull de sa série d'invincibilité. On peut au moins leur accorder ce crédit-là. Malgré une saison vraiment très moyenne, encore une fois. Mais je leur accorde au moins ce crédit, tu vois. Ouais, mais Ferrari finit mieux, malheureusement. Ah oui, c'est sûr. Enfin, pour le coup, heureusement pour moi, vu que je suis pour Ferrari, mais effectivement, ouais. Par contre, la stratégie de Carlos Sainz de rouler au ralenti pour ralentir le reste de la grille, ça a été discuté. Hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça critique pas mal la stratégie Ferrari par rapport à Carlos Sainz de la dernière fois quand il a gagné. Hein. En gros, ils sont là en mode « Ouais, mais du coup, ils sont obligés de rouler au ralenti pour faire tomber Red Bull, c'est pas fair play, machin, machin. » Ça rage un peu par rapport à ça. Ok, donc là, j'ai mon virus encore là, qui fait des siennes. T'en fais pas. Je commence à avoir l'habitude. C'est la relique. C'est de pire en pire. Le temps qui me reste... C'est pas nouveau, Leclerc avait fait la même en 2019. Ouais, non, je sais bien, mais du coup, moi pareil, tu vois, c'est le genre de stratégie que je trouve... limite, quoi. Faire exprès de ralentir pour ralentir le reste de la grille... Pour empêcher d'autres de passer ou je sais pas quoi. Enfin c'est risqué, c'est jouer avec le feu, tu vois. Pour moi tu devrais rouler à fond tout le temps en fait. Et c'est une course quoi, c'est... Tu veux... Une course, t'es pied au plancher en fait. Sans déconner. T'es en tête, tu fonces, point barre. Après c'est ma vision des choses, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais faire exprès de ralentir sous prétexte qu'il faut sauvegarder les pneus, bah mais mec, t'es en tête. Donc si tu ralentis trop, tu te fais doubler, tant pis pour ta gueule, hein. Parler de ça, tu sais. Ah, qu'est-ce qu'il va me montrer? Je devrais dire qu'ils ont essayé de me tuer, mais parfois, j'ai l'impression qu'ils ont réussi. C'est la F1 des années 90, ça. Ouais, mais c'était mieux. Clairement, même début années 2000, hein. Tu peux m'en dire plus? Moi, tu vois, c'est comme je déteste le concept de pilote numéro 1 et pilote numéro 2, où le pilote numéro 2 doit se sacrifier
pour aider le pilote 1 à gagner. Je trouve ça d'une injustice totale. Pour moi, on devrait être traité sur un pied d'égalité avec la même voiture et c'est le meilleur qui gagne, point. Parce que ça fait clairement favoritisme en fait. Et moi, je me mets à la place de celui qui est le pilote numéro 2 qui se partage les miettes à chaque fois, je serais dégoûté. Moi, je le vivrais trop mal, moi, d'être le pilote numéro 2, tu vois. Je me dis, bah, soit je suis traité à la même enseigne que mon collègue, soit je me casse en fait. Tout ça pour un cessez-le-feu. La paix a un prix. Et quelqu'un doit toujours payer. Viens, je vais te montrer quelque chose. Après, je comprends, il y a l'intérêt de l'écurie, il y a le championnat constructeur, mais enfin bon. Tu diras ça à Chico, là, ouais, mais de ouf. Attends, non, mais c'est injuste. Moi, à sa place, je le vivrais tellement mal. Tu bosses à nouveau avec eux. Moi, j'aurais gueulé déjà auprès de la direction. Hein. Genre, les gars, c'est quoi ce bordel en fait? Pourquoi vous me faites faire ça? Souffrance laisse place à une simple démangeaison. Ah, pub, je reviens, ok, ça marche. Allons-y. On va suivre Monsieur Reed. On va prendre l'ascenseur. Où est-ce qu'on va? On va faire un petit saut dans le passé. Pour revoir de vieux trucs. Alors lui, je rappelle que c'est censé être le méchant du DLC. Donc c'est vrai qu'il y a forcément un moment où ça va dégénérer, où il va me trahir ou un délire comme ça. J'ai toujours pas à croire qu'Alex ait choisi d'installer son bar juste au-dessus de notre ancienne plante. Et elle a toujours eu un sens de l'humour étrange. Où elle est? Elle nous attend en bas. Elle finit une mission de reconnaissance en ville. On peut prendre nos aises le temps qu'elle revienne. Alors je veux bien que ce soit pas Versailles ici, mais les gars, la lumière s'il vous plaît. Cet endroit est plongé dans l'obscurité depuis 7 ans. Ah bah ça on avait remarqué, oui. Et encore du courant ici ou... Ah quand même. Ah c'est pas de l'éclairage de fou, hein, c'est ambiance tamisée. Hein. Et encore les lumières merde. Hein. Ah bah voilà, ça a coupé. La fin d'une guerre, c'est jamais bon. Allo EDF, on a plus de courant. Flokix. Une voiture piégée a fait sauter un de mes hommes. Oh, on est dans un endroit, franchement, c'est digne de Versailles. Il y a trop de lumière, les gars. Je suis à deux doigts de sortir mes lunettes de soleil. Ils ont simplement disparu, sans laisser de traces. Ah, ça y est. Ça revient un petit peu. Je devais faire un choix. Alors, j'ai décidé de continuer. Bon, quitte à se taper la converse pendant une demi-heure, tu veux pas qu'on s'assoive sur un canapé pour parler, non? Ou d'attendre comme des connards au-dessus du balcon, là. C'était du courage, de la stupidité, ou un peu des deux. Peut-être que j'ignorais simplement comment laisser tout ça derrière moi. Ou peut-être que j'acceptais pas la défaite. Ah, parce que là, franchement, on pourrait descendre, se poser sur un canapé, se boire une petite bière en discutant. Non, monsieur, préfère attendre comme un connard. Ah, mais ils t'ont trahi, une vraie tragédie, j'ai l'impression que tu l'avais bien cherché. C'est un peu de la trahison, du coup. Tente ça comme tu veux, mais ce que je retiens, c'est qu'ils t'ont planté un couteau dans le dos. Mais ça a permis de sauver beaucoup de mes hommes. Quand on joue à des jeux d'adultes, on subit des conséquences d'adultes. Ah bah oui, bien sûr. Entre tous, ça sent le bird qu'ils ont demandé de presser la détente. Attends. Et sinon, ouais. On peut toujours pas descendre en bas, non, je peux aller me faire mettre. Ah, essaie de te tirer dessus. Elle avait sûrement pas le choix, je lui ai demandé ça. Tu veux dire qu'elle a sorti son crasher pour te mettre une balle? Pas elle personnellement, mais elle a déjà. Je me suis refait la saison 2010, ça m'a changé d'avoir du suspense, lol. Putain, tu m'étonnes. Bah, les années 2010, c'était quoi si je dis pas de conneries? C'était Vettel chez Ferrari contre Hamilton chez Mercedes, non? Le duel, c'est entre les deux? Me neutraliser. Je sais pas, je me plante peut-être, mais j'ai ce souvenir là. C'est à l'époque de Vettel chez Ferrari, non? Il n'y avait pas Schumacher à l'époque qui était revenu à Mercedes? Non, Vettel Alonso sur toi, c'est ça. Et aujourd'hui, tu cherches à la sauver? Pourquoi? Parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai eu tout le temps de réfléchir à la question. Assez pour que certains aspects se précisent et que d'autres se troublent. On en arrive à un point où on navigue à travers la merde pour réaliser ce qu'il y a. Bon, je crois qu'il va nous faire faire toutes les pièces du truc. Allez, maintenant il va balancer la chaise, va s'asseoir ailleurs. Non, t'es pas foutu de la ramasser, bien sûr, et puis je te suis comme un connard.
Songbird fait toujours partie de mon équipe. Et rien pourra changer ça. Putain, Riley. Myers, c'est une toute autre histoire. Mais Songbird, non. Je lui reproche absolument rien. Et Myers, du coup ? J'ai raté quelque chose ? Ah, Myers, c'est la présidente. Histoire du passé. Bon, allez, il est temps de s'y mettre. J'ai vérifié les informations. Dernier Grand Prix de 2010, t'as Vettel, Hamilton, Alonso et Weber qui peuvent être titrés. Voilà, bah, et bah ça c'est du vrai suspense, tu vois. Toutes celles impliquant Sony. T'as pas genre Verstappen qui est là, et les, tous les autres ils sont en dessous, ils se partagent les miettes. Donc du coup, effectivement, c'était mieux. Les autorisations, les ordres de mission, tout a été signé par une seule et même personne. Rosalind Myers. Je voudrais pas être à sa place si une merde pareille remonte à la surface. Ah mais du coup elle est là, elle, j'ai même pas vu. Par une femme bah, bah elle était où? Parfois ses ambitions l'emportent sur la raison. Ah bah ça c'est con, j'ai même pas vu arriver. Alex, qu'est-ce que tu nous as dégoté? Un peu de tout. Ah oui, j'ai oublié Button. Ah ouais, Jetson Button, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, lui il avait la réputation d'être celui qui sauvegardait le mieux ses pneus d'ailleurs. Parce qu'apparemment il avait une conduite douce là où les autres pilotes avaient une conduite agressive. Ouais, du plan dans un logement d'ailleurs, VTM les fringues de luxe. Ouais, on va dire ouais. Bien sûr, comme tout le monde, non? Alors je crois que ça va te plaire. Ah bah oui, allez. J'ai appris qu'une méga star de la pop va venir se produire à la fête. Je vais la suivre, on verra bien. On peut s'attendre à voir tous les gens importants. Y compris toi. Tu vas enfiler une tenue chic et te mêler au VIP. Ah bah voilà. Très bien, ça aura beau être chic, ce sera pas facile pour autant. Prêt pour les détails, V? Australie 2010, 51 tours sur ses pneus le button. Ouais voilà, c'est ça. Exactement. C'est la réputation qu'il avait à l'époque, il savait très bien gérer ses pneus. Mais ça veut pas dire que la sécurité est infaillible. V, tu vas entrer bien. Je crois que c'est son style de conduite, apparemment il conduisait de manière très douce par rapport aux autres et du coup il sauvegardait très bien sa gomme. Toxique. Alors, fais gaffe. Eric alors. J'allais justement y venir, il serait là-bas aussi, naturellement. Tu sais déjà à quoi ressemble l'hôtel. On peut assez difficilement le rater. Les tunnels inondés ici, c'est par là que tu vas entrer. Alors écoute bien. Au bout de écoute bien mon salaud, tu vas t'infiltrer. Et tu pirates les caméras pour laisser arriver le temps de se faufiler dans le bâtiment. Vous prendrez chacun un ascenseur pour monter, ici. Mais évidemment, faisons ça. Et avant que tu demandes, ouais, c'est le seul moyen. La zone risque d'être bien gardée, faudra vous faire discret. J'ai pas pu trouver d'infos précises, alors vous allez devoir être créatif et improviser. Vous vous retrouverez ici. Mais bien sûr, on va faire ça, évidemment. Et après, direction le bal. C'est là que vous retrouverez Songbird. Tout est clair? Ok. Comment on entre déjà? Toi, en nageant dans les tunnels inondés. Reed, pars en haut une fois que tu l'auras fait entrer. C'est bon pour toi? Pas tellement choix. Rappelle-moi. Comment je fais entrer Reed? Tu traverses à la nage, tu trouves le terminal, tu te connectes, tu pirates les caméras, tu localises Reed et tu pirates une porte. Mais évidemment, mais c'est tellement facile, mais bien sûr. Reed t'ouvre un passage vers son côté, vous évitez les gardes et vous rejoignez la fête comme des rois. C'est bon, c'est rentré dans ton cerveau? Non, on va dire oui, un peu fort. Remus. Bon, parlons matos. T'as tout ton temps. Prends tout ce qui pourrait te servir. Bon, ça sert à rien. On va s'en équiper direct. Comme ça, c'est fait. Et niveau matos... Plus ça, ou ça... Ah, j'aime bien ça. On va se l'équiper tant qu'à faire. On va aller voir ça au niveau des compétences. Point d'avantage disponible, parfait. Au hasard. J'essaie d'améliorer un peu de tout. Et dans l'inventaire. Oh, magnifique, la combi de plongée, putain. Classe absolue. Le katana. On va plutôt utiliser un flingue à la place. Là, le fusil d'assaut. Ce que je viens de prendre, et il va me servir. C'est ton cracheur? Ouais. Sa Majesté a vraiment hâte de reprendre du service. Ça serait un honneur. Ah bah voilà, parfait, on va faire ça.
Et au fait, Hans, qu'est-ce qu'il voulait en échange du service qu'il nous a rendu ? Une guerre invisible d'Octone ou un changement politique. Il voulait prendre le vent, voir dans quelle direction il souffle. Hans n'a absolument rien à gagner à ce que Hansen domine Dogtown. Alors il cherche à rééquilibrer la partie. La politique, c'est partout la même merde. Ah, ça c'est clair, hein, les gars. Au final, toujours pareil, hein. Quand on vote à gauche, à droite, toujours la même merde, évidemment. C'est bon de t'avoir avec nous, V. Je le pense sincèrement. C'est bon ? On est prêt ? Je crois bien que oui. Je reste ici un petit moment. On se retrouve là-bas. Ok. Entrer dans les tunnels inondés. Eh ben, allez, hein. Cet endroit me rappelle de vieux souvenirs. En fait, je suis grave déçu pour Lawson. Ouais, c'est... je crois que c'est... c'est quoi l'embrouille déjà avec lui ? Il conserve pas son baquet, je crois, ou il y a un truc comme ça ? Après, moi, je trouve, par contre, le plus poissard dans l'histoire, c'est quand même Ricciardo. Hein. Le mec, il est remplaçant. Le mec, il remplace quelqu'un qui se fait virer, il se blesse derrière. Du coup, il est de nouveau remplacé derrière. C'est chaud, hein. Et Lawson fait apparemment mieux que Ricciardo. Du coup, ça pue pour lui quand même un peu. Alors, Cassos, on sort de là. Et avec une ambiance vraiment planète Mars, hein. On se croirait presque dans Starfield, là. Bah oui, AlphaTauri a résigné Ricciardo et Tsunoda. Resigné Ricciardo et Tsunoda, ouais, bah ouais. Mais pour le coup, c'est con, hein, parce que Lawson, en peu de courses, il fait presque mieux que Ricciardo en je sais pas combien de temps. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de conserver Ricciardo, mais bon. On verra bien. Allez, pardon, excusez-moi, je passe. Non, plus que ça. Tu vas devoir t'imposer pour pas te faire emmerder, tu vois. On va faire le tour. Ok, j'ai l'impression que je suis pas du tout au bon chemin là. Ah voilà. Parce qu'il fallait que je reste en bas. Moi, ouais, surtout Tsunoda, je vois pas ce qu'il a prouvé en 3 ans. J'avoue. Après, on aurait pu avoir un duo Lawson-Ricciardo. Hein. Tu vires Tsunoda. Et tu mets le duo Ricciardo-Lawson. Ça aurait pu avoir de la gueule et proposer un truc. On va courir un petit peu parce que sinon, demain, on y est encore. Là, vraiment, c'est tempête de sable, hein. C'est la planète Mars, le truc. Oh, bâtard! Ah, bah merde! Oh, mais, hey, mais calmez-vous! Hey, mais hey, j'ai fait quoi? Ah, bande de connards, vous voulez jouer à ça? Ok. Ok, pas de soucis. Ça veut jouer au con, on va jouer au con. Après Lawson, pourquoi pas chez Williams avec Albon? Éventuellement. Éventuellement, c'est vrai. C'est bon là, vous êtes calmé. Je me suis fait agresser de manière totalement gratuite, j'ai rien compris. Et en plus, mais vraiment roulé dessus comme une merde par une bagnole. Et puis ça voulait bien me traîner sur plusieurs mètres, hein, bande de connards. Et bah, je m'en fous, je vais y aller en force, voilà. Aucune finesse, bah les couilles. Ah, on passe là. On passe ici, on se dépêche, on se dépêche. Parce que là, le Sergeant, il prend plus de voitures qu'il met de points, lol. J'avoue. Ah, il ferait concurrence à Mick Schumacher, hein. Qui a coûté le plus cher à son écurie? Pour Sergeant, tapez 1. Pour Mick Schumacher, tapez 2. T'as les deux, ils te coûtent une blinde. T'imagines les deux dans la même écurie, tu nous fais un duo Mick Schumacher Sargent. Oh, ils te ruinent l'écurie en 2 courses. Non, parce que je suis désolé, hein, mais ça, ça me l'enlèvera pas. Mick Schumacher, il doit sa place en F1 uniquement parce qu'il a, il a le nom Schumacher. Il doit sa place uniquement à son père. Bon, après, je veux bien... qu'il était dans la pire écurie du plateau, mais quand même.
À un moment, tu plantes pas tes voitures à chaque course, quoi. T'essayes au moins de finir. Au moins finir une course convenablement. Après, si on est mauvaise langue, on peut dire ouais, mais en même temps, un Américain en Formule 1. C'est pas leur truc, tu vois, c'est la NASCAR. C'est l'IndyCar aussi. Je sais que c'est dommage, des Américains en F1, il n'y en a plus depuis je sais pas combien de temps. Et là, t'en as un enfin qui revient. Soit dit en passant, comme par hasard, depuis que la F1 est venue populaire aux États-Unis, t'as un pilote américain. Comme par hasard, ça a balancé le chéquier. Et tu là, tu vois qu'il est nul en fait. Ah, on dit quoi de Lance? Bah, honnêtement, je trouve que Lance Stroll est moins pire que Schumacher quand même. Hein. Je dis pas qu'il est vraiment incroyable. Mais en termes de perf, je le trouve quand même un peu moins pire. Hein. Même si Lance Stroll, oui, j'avoue qu'il doit aussi, soyons honnêtes, la place à l'argent de son père. Papa a payé, donc forcément, t'as un baquet. Allez, on ouvre et on passe. Petite mission infiltration. Eh bah putain, fallait forcer pour que ça s'ouvre. Heureusement que je suis pas claustrophobe. Mais... on passe dessous. Mais oui, on passe. Parce que Mick a quand même un titre de 2 en plus que Lens. En F2, ah oui, voilà, ouais, en F2. Ouais, mais tu vois, je trouve ça dingue de... Tu passes d'un mec qui a un titre de F2 à « je suis le pire pilote de la F1 ». Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue de se dire le gouffre qui entre la F2 et la F1, en fait. Alors qu'il n'y a qu'un niveau d'écart, entre guillemets, tu vois. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu prends le football, c'est comme si tu étais excellent dans un club de Ligue 2, vraiment, tu vois, le meilleur de ton équipe. T'arrives en Ligue 1 et t'es le pire joueur de l'équipe. Alors que le gouffre est pas si énorme à la base, tu vois. Enfin, c'est fou, quoi, le... Ouais, il y a des choses, tu vois, je comprends pas, en fait. Je dis, mais comment peux-tu avoir un tel écart passé de... J'ai un titre en F2, ah, je suis le pire pilote de F1. C'est vraiment, là, Gunther, avec Mick Schumacher, il pétait un plomb, hein. Il se dit, mais mec, tu vas me ruiner. Tu es skint toutes mes voitures, tu vas me ruiner. Bon, par contre, je sais pas comment on passe. Alors là, je suis un petit peu bloqué. Est-ce qu'on ouvre la boîte? On risque d'être submergé par l'équipement. Allez, je tente, on verra bien. Ah, ça va, j'ai encore de la place. Je vais refaire le tour parce que là, j'ai l'impression d'être bloqué. Et pourtant, non, ça m'indique bien là-bas. Putain, je comprends pas. Ah, au-dessus peut-être. Bon, par contre, faut me refoutre la lumière, les gars. Je vois que dalle. Ah, bah voilà. Il y avait un truc caché que j'avais pas vu. Ah oui, désamorçage, très bien. À distance en plus le désamorçage. Genre sans toucher quoi, normal. Après on dit ça, mais il y a Plastri, lui il l'a pas trop raté la transition F2-F1. Ouais bah c'est ça, mais tu vois, je veux dire, bah du coup Plastri a plus de mérite au final. Je veux bien que l'écurie ça joue aussi. Mais c'est bon, quand tu tombes dans une écurie pourrie, bah forcément... Mauvaise voiture, t'as beau être un bon pilote, tu vas pas faire des miracles. Mais je veux dire, là, c'était quand même grave. Hein. Je prends le cas de Mick Schumacher. Ok, il avait une voiture pourrie. Mais le mec, on peut pas dire non plus que son pilotage était fou. Hein. Pour un soi-disant titré de F2. Tu vois, si encore tu passais de la F3 à la F1, je veux bien, tu dis, il y a quand même deux niveaux d'écart. Mais là, après, ta masse, il lui fait direct F3, F1. Bah voilà, tu vois. Au moment où je te dis F3, F1, bah voilà, tu me parles de Max. Bah lui, c'est dingue. Lui, c'est parce qu'il a un vrai talent. Après, bon, il est aussi Red Bull, tu vois.
Red Bull, tu vois, c'est quand même the bagnole. Parce que regarde, tu mets Max Verstappen dans une écurie de bas de tableau, tu prends un pilote très moyen, tu le mets chez Red Bull, je suis pas sûr que Max Verstappen continue de gagner, tu vois. Imaginons, je sais pas, tu mettrais Lewis Hamilton ou Charles Leclerc chez Red Bull, et du coup, tu vires Verstappen et tu le mets soit chez Ferrari, soit chez Mercedes, je suis prêt à parier que du coup, ben, c'est la fin du règne de Verstappen, tu vois. Parce qu'il a beau être très talentueux, mais faut avouer quand même que Red Bull, ils sont réglés, mais au millimètre, quoi. À part une connerie qu'ils ont fait lors d'un Grand Prix. Voilà, parce qu'ils ont du mal avec les circuits urbains. Le reste, c'est du sans faute. Donc je pense que Max Verstappen ne surdominerait pas autant s'il n'était pas chez Red Bull. Bon, par contre, là, faut que j'essaye de passer. Alors je fouille parce que j'arrive pas à trouver mon chemin ici. Je peux prendre peut-être ça, remonter. Avancer dans les tunnels, ouais, mais je veux bien, les gars, mais. Ah, je ne sais pas trop comment faire. Il me dit là-haut, mais putain, il y a forcément un truc. Ah, j'ai dû passer 50 fois devant, évidemment, je le vois pas. Putain, j'arrive. Mais vraiment, je tourne en rond, mais j'arrive pas à comprendre où je dois aller. Alors là, je sais. En même temps, la voiture est littéralement construite pour lui quand tu vois la galère que c'est pour les pilotes 2 de Red Bull depuis le départ de Ricciardo. Oui, mais voilà, parce qu'ils ont, ils ont optimisé la voiture pour son style de pilotage. Mais comme je te disais, hein, à mon avis, je suppose, tu mets Verstappen dans une voiture lambda. Allez, on va dire réglée exactement de la même manière que pour un Lewis Hamilton, un Alonso ou un Charles Leclerc. Moi, je suis sûr que Verstappen, il est en galère. Qu'est-ce qui fait que Verstappen, il gagne autant? C'est parce que la voiture est ultra optimisée pour lui. Et qu'en plus, Red Bull, ils ont pour le coup, cette année, le mérite de ne faire aucune erreur. C'est-à-dire d'être parfait en tout. Hormis leurs points faibles et circuits urbains. Sachant que des circuits urbains, à tout casser, t'en as deux ou trois par saison, grand max. Tu dis, ouais, bah voilà, c'est tout bénef pour eux, quoi. Putain, mais vraiment, je trouve toujours pas mon chemin, mais c'est fou quand même. Ah putain, ça se trouve que c'était là. Et comme un con, j'avais pas vu. Eh oui, oui, évidemment. Je savais que c'était à côté et que j'avais pas fait gaffe. On parle de Red Bull, mais la saison de Lewis, elle passe inaperçue, mais elle est top level. Ah, je sais pas, Lewis pour moi il est un peu en dessous, hein, par rapport à des saisons qu'il avait fait précédemment. Bah il revient un petit peu, ouais, je suis d'accord. Il revient un petit peu, mais quand tu vois ce qu'il faisait dans le passé, pour moi il a vachement perdu Lewis au contraire. Hein. Après voilà, il fait des bonnes courses, mais bon, ça vient peut-être de Mercedes aussi, hein, la voiture est peut-être moins optimisée, mais. Mais en même temps aussi, je trouve que les constructeurs et la FIA cherchent trop compliqué. Parce que tous les ans, ils changent les règles. Tous les gens ont des nouveaux règlements. Ils peuvent pas laisser le même règlement du moment que ça marche. Pourquoi vouloir tout changer tous les ans? À part compliquer les choses pour rien. Parce que je me dis, d'une saison à l'autre, des fois, il y a tellement de changements que même les écuries et les pilotes s'y perdent. C'est débile. Vous voyez que cette année, ça fonctionne. Bah, laissez la même chose pour la saison d'après. Et vous changerez quand ça merdera. J'ai éclaté de rire au Japon quand j'ai vu Lewis défendre à la Max sur Russell. Ah oui, bah oui. Bah, on vole les stratégies des autres, hein. On s'inspire des gagnants automatiquement. Hein. Ils voient que ça marche chez Red Bull. Donc ils se disent, bah pourquoi pas nous. Utiliser le panneau pour ouvrir la voie. Ah, faut que je le prenne à distance du coup. Qui est relié là. Je vais peut-être monter, non?
Ah mais oui, l'échelle derrière. Ok, c'est ça. Faut que je prenne l'échelle qui est ici. Voilà. On est d'accord, c'était ça que je devais faire. Ah bah voilà. Une belle valise, c'est pas si compliqué. Après, on fait descendre ça, donc il va falloir évidemment emprunter pour se mettre là. J'avance un peu à l'aveuglette là, je sais pas trop où je dois aller. Et ça m'a l'air d'être là. Mais après, c'est vraiment que Lewis a pris un sacré derrière le casse depuis Abu Dhabi 2021. Un sacré coup d'Arlequin, je veux dire. Ouais, bon, bah ça après, c'est sûr, hein. Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour résumer cette saison de F1, moi je la trouve hyper monotone en termes de suspense, quoi. Tu sais direct que tout est joué d'avance et moi ça me gave en fait. Merde, j'ai complètement foiré mon infiltration. Oh, allez, bim! J'ai perturbé son truc, voilà. Est-ce que c'est Reed? Monsieur Reed, où êtes-vous, bien sûr? Alors, faut que j'essaie de le localiser. Passer d'une caméra à l'autre pour suivre Reed. Sauf que je ne sais pas où tu es, Reed. Il est pas là. Il est pas là. Ah, te voilà. Ah, il est là. Je vois une porte, deux gardes. T'occupe pas d'eux, contente-toi de m'ouvrir cette porte. Bah oui. Ah putain, piratage, magnifique, j'adore ça. Ok, là on est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà, j'en ai un peu chié, mais j'y suis arrivé. Oh, il va se le faire, c'est une nuit trop facile. Bah, c'est vrai qu'il n'y a plus de suspense pour les P2 que les Win. Bah, ouais, c'est ça. Bien reçu. C'est exactement ça, et je t'ai dit, enfin. Moi, il y a tellement de choses, si ça dépendait de moi, putain, que j'oserais jamais appliquer ça en F1, tu vois. Que ce soit les consignes d'équipe, que ce soit le concept de pilote numéro 1, pilote numéro 2, que ce soit le. Tu vois, il y a des choses pour moi, ça tue le spectacle en fait. Vraiment, il y a des choses pour moi qui tuent le spectacle et le suspense. Et j'en ai marre de ces règlements à la con en fait. La course sprint déjà, moi je l'enlèverai parce que je trouve que ça sert à rien. Enfin, tu vois, il y a trop de choses moi personnellement que je changerais en fait. Tu vois, si on compare la F1 à l'IndyCar, au moins l'IndyCar, ils ont le mérite d'avoir tous la même bagnole et que c'est le talent pur du pilote qui joue. En F1, clairement, l'argent est roi, quoi. T'as du fric, t'as une bonne bagnole, t'es pauvre, t'es dans la merde et t'auras beau faire quoi que ce soit, ça changera pas, ça changera rien. Et c'est un peu dommage. Alors que si tu mettais toutes les écuries au même niveau financièrement, et qu'on leur dit, bah voilà, vous avez tous la même somme, démerdez-vous pour le développement comme vous voulez. Chacun serait libre de faire comme il veut avec la même somme d'argent. Et là, pour le coup, bah, ce serait le talent pur aussi qui serait représenté, quoi. Alors forcément, si t'as une équipe à, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple débile ce que je veux dire, mais à 5 millions, et en face, t'as une écurie qui en a 30, bah forcément, l'écurie à 30 millions, elle va te mettre au tapis. Bah, ils ont essayé de faire ça un peu avec le budget cap. Je te vois.
Et maintenant. Ouais, c'est sûr, mais bon, tu vois, moi, je sais pas. Moi, il y a trop de choses qui. Et personne ne le respecte. Ouais, mais il faudrait mettre un truc de fair play financier. Tu respectes pas le fair play financier, t'as une amende. Ou on te donne un budget, on te dit, bah voilà, t'as, je sais pas, allez, je dis n'importe quoi, 10 millions pour tout le monde, même si je sais que c'est pas ça, mais c'est un exemple. 10 millions pour tout le monde, quelle que soit l'écurie, et à vous de faire avec. Et tout le monde ferait ça avec le même argent. Et chacun serait libre. Chacun serait libre de développer comme il veut sa bagnole avec le même argent. Ah, fallait scanner, merde. J'avais pas compris. Il y a une mine juste derrière ce pilier. Bien vu, j'aurais pu la manquer. Bah oui, d'accord, mais on. Bah, putain, bah oui, bah. Scanner l'étage à la recherche de... Ah oui, d'accord, faut que je finisse de scanner les autres. J'ai pas capté ça. C'est 145 millions le budget cap, je crois. Quand tu dis budget cap, c'est-à-dire quoi? C'est le budget pour tout le monde? Chaque écurie dispose de 145 millions, c'est ça? Ah, attendez, celui-là, j'ai la mine. Ok, mais il m'en faut d'autres. Qu'est-ce que je peux scanner d'autre? Ah bah j'ai déjà scanné ça. Ah ok, de ça. Ouais, mais ça prend en compte le développement et le personnel. Ouais, non mais voilà. J'ai repéré une poignée de gardes sur ton chemin. Mais moi je trouve que tu vois, faudrait vraiment qu'il y ait un vrai fair play financier à ce niveau-là. Mais bon, après, si tu commences à raisonner comme ça, je me dis, dans ce cas, tu fais pareil au foot, tu fais pareil dans les. Dans. En moi qui regarde beaucoup la NBA, tu ferais pareil dans les franchises NBA, donc c'est plus compliqué, tu vois, donc je sais pas. Mais pour moi, l'argent, ça tue le spectacle en fait. Tu vois l'ascenseur principal? Trop risqué. Ils auront des gardes postés en. Enfin, je veux dire les différences d'argent plutôt. On a besoin d'argent, mais les différences d'argent. L'avantage du coup de traiter tout le monde à la même enseigne d'un point de vue budget, bah en fait tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Parce que tu peux dire, oh, ok, bon bah on a perdu, bah c'est qu'on a foiré le développement. Red Bull a dépassé l'année dernière, ils ont juste perdu un peu de temps en soufflerie pour l'année prochaine. Ouais, mais tu vois, bah par exemple, Red Bull qui a dépassé, ils auraient dû être sanctionnés. Mais une bonne grosse sanction, tu vois. Pas juste une petite amende et puis allez, on passe à autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des caméras partout ici. Je devrais y avoir accès quand le nid de sniper sera calibré. Bien, ça pourrait nous servir. Ok, faut encore checker tout. Encore une caméra. Eux, je les ai fait aussi. Ah, oh, dessus l'NBA. Ouais, bah pas les matchs en direct, hein, parce que ça a lieu la nuit. Mais ouais, je regarde beaucoup les résultats et les résumés. Moi, bah, j'aime beaucoup le basket, donc ouais. Et tu vois, c'est pareil, hein, d'une franchise à l'autre, c'est pas du tout le même budget. Donc ça recrute pas les mêmes joueurs. Donc ça a pas les mêmes infrastructures de développement. Donc voilà. Lila, au Bucks, t'en penses quoi? Écoute, je sais pas, pour le moment. Oublie pas, il y a une mine juste après. J'attends de voir en vrai. Moi, j'attends de voir surtout. J'attends de voir si les Lakers vont sortir la tête de l'eau. Parce que là, LeBron James, qu'on s'en aura plein le cul de se foirer saison après saison. Donc, on va voir. Mais Lillard aux Bucks, ouais, pourquoi pas. Hein. Avec Giannis Antetokounmpo, ça peut être intéressant. Et on va le couvrir à distance. J'ai pas de visuel après l'angle. La voie est dégagée. Je peux avancer. Tu peux pas trop en approche. Bien sûr. Je me mets à couvert. Non mais je leur tire dessus, ça les atteint pas. Non mais c'est incroyable. Couvre-moi, mais décolle pas les yeux de ta lunette. Ok.
Mais du coup, ça envoie Ethan à Portland, je crois. Ça, je sais pas, par contre. J'avoue que cet été, j'ai pas trop subi les transferts. Enfin, les drafts aussi, accessoirement. Non, moi, j'attends surtout de voir beaucoup. C'est Victor Wembanyama. Moi, c'est surtout lui que j'attends le plus, tu vois. Annoncé comme le futur Tony Parker, la référence ultime du basket en France. J'attends de voir. Moi, c'est plus Victor Wembanyama que j'attends. Tout le monde l'attend. Non, mais c'est sûr. Ouais, mais je veux dire surtout en France, parce que c'est quand même le plus gros prospect français de ces dernières années, tu vois. Donc quand t'es français, tu l'attends d'autant plus, parce que tu sais qu'il va être avec l'équipe de France au JO 2024. Donc ouais, il est vachement attendu aux States, mais particulièrement, je pense, pour les fans français. Voir si tout le buzz autour de lui est mérité ou s'il est surcoté, tu vois. Allez, je le fais aussi. Ah, la tourelle. Je la ferme aussi. Dans les rues de San Antonio, ça va parler français dans les rues, lol. Bah, tu sais qu'à une époque, les Spurs, c'était l'équipe la plus... comment dirais-je? La plus francophone de NBA, hein, à l'époque où il y avait Tony Parker, Boris Diaw et Nando De Colo. Hein. Trois Français chez les Spurs. Hein. C'est à l'époque, ils les appelaient la French Connection. Trois Français dans la même équipe, c'était du jamais vu. Ce Tony Parker, il voulait absolument recruter Boris et Nando. Et du coup, on avait parlé à Greg Popovich à l'époque, il lui dit bah allez, pourquoi pas. Et alors, ça avait bien marché pour Boris, mais beaucoup moins pour Nando, parce qu'après, il est parti en Euroleague. Et ça marchait beaucoup mieux depuis qu'il était en Euroleague. Nando, il est malheureusement pas fait pour le basket. Il était pas fait malheureusement pour le basket américain. Et pour le basket européen, ça tournait beaucoup mieux. Papy Pop toujours. Ah bah Greg Popovich, hein, c'est c'est le Drucker de la NBA. France 2, ils ont Drucker. TF1, il y a Foucault. NBA, il y a Popovich. Hein. Le vieux briscard, quoi. Le mec, il mourra sur les parquets, quoi. Et je peux l'avoir là-bas. Ah, j'ai de me le faire de loin. Ah oui. Effectivement. Jean-Michel Drone, enchanté. Mais bon, je suis plus fan Warriors perso. Ouais, bah après, le basket Warriors, c'est le basket champagne, hein. Je comprends que ça plaise. Ils ont un basket spectacle, les Warriors. Ça va vite, c'est fluide. Et puis Curry qui est une vraie machine à 3 points. Ça semble bien déprimant pour les adversaires. Mais je comprends, le basket des Warriors en général, ouais, c'est le basket champagne, quoi. C'est le basket popcorn. Mais Steph, c'est une dinguerie, limite il tire de sous le panier, t'as peur. Mais tu sais que passé un temps, je te promets que c'est vrai, ils avaient envisagé l'hypothèse de faire une zone à 4 points pour, à cause de lui. Parce que pour lui, les 3 points, en fait, ça devenait trop facile, tu vois, c'est comme si toi, tu tires un lancer franc. Tellement qu'il était insolent de réussite aux 3 points, ils avaient envisagé l'hypothèse de créer une zone à 4 points à cause de lui. Je trouvais ça abusé. Et finalement, l'idée, elle a été abandonnée, ils ont pas donné suite. Mais on a failli avoir une zone à 4 points par rapport à ça. Ce mec, il était trop bon à 3 points en fait. Ça devient injouable contre lui à ce niveau-là. Le mec a un concours de 3 points, il te démonte. D'ailleurs, tu regarderas au All-Star Game, il participe jamais au concours à 3 points. Parce qu'il est trop bon. C'est déloyal pour les autres, donc ils le veulent pas aux 3 points. Bah encore, il met plus de 3 points que moi de lancer franc. Ouais, bon après, on peut partir de l'hypothèse. Hein. Admettons un endroit où t'es bon, tu vois. L'air un peu pâle.
Mais ça a abusé, franchement. T'as pas l'air beaucoup plus en C'est Stephen Curry à 3 points, c'est de l'insolence, c'est abusé, ça dégoûte l'adversaire. Aussi jeune que toi, mais je possède une arme qui surpasse toutes celles de ton arsenal. Ton super blouson en cuir, c'est ça? Non, mais l'expérience. Si, il a gagné il y a 2-3 ans. Ouais, mais regarde, si on regarde bien, depuis... depuis, ils le veulent plus, tu vois. T'as participé à combien d'OP? Ce mec, s'il voulait, en vrai, il le ferait tous les ans, il gagnerait tous les ans. C'est ton gâteau d'anniversaire. Mais aujourd'hui, on s'infiltre dans une soirée organisée par un dictateur. Avec pour objectif de ressortir avec son bien le plus précieux. Ouais, moi, je vais finir la mission. Et après cette mission, j'arrêterai là pour aujourd'hui. Mais je vais quand même aller au bout de cette mission avant. Allez, on se change. Enfile tes nouvelles fringues et affiche ton plus faux sourire. Une fête nous attend. Et quel immense bonheur. Allez. Ok, donc j'ai un costard bleu et doré. Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne? Ok, ça va, il y a pire. T'es défenseur, tu dois défendre Steph et t'as close dans le corner au secours. Là. Ah ouais, non mais d'où? Ah bah de toute façon, défendre contre Stephen Curry, c'est... Ah oui, contre Clay Thompson. Bah c'est normal, c'est défendre contre eux, c'est t'envoyer au casse-pipe, hein, de toute façon. Je dois bien l'admettre, V, la fête de Hansen est démente. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Splendeur. On s'éclatait pas comme ça de mon temps. Maintenant, rends-moi service et va là-bas. Figure-toi que j'ai oublié le goût du vrai champagne. Allez, on va y aller. On va se rendre à la fiesta. Vous pouvez répéter. Où ça dans la zone de maintenance? Et Demon Grid qui se casse la tête dans la raquette MDR. Ouais, non, mais qui te casse la tête dans la... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, les Warriors, hein, c'est du solide, hein. Puis après, t'as le cas des Lakers, tu vois. Bonne équipe sur le papier, mais qui galère. En France, on a le PSG. En NBA, ils ont les Lakers. Et maintenant? J'en sais pas plus que toi. Elle nous a seulement dit de venir ici. Elle viendra nous chercher ou elle nous aura laissé quelque chose. Et toi? T'as un plan en tête? Les plans, c'est ton domaine. Faire la fête, je vais te chercher Songbird. Je croyais que c'était toi, le docteur S, planification. Manifestement, oui. Sur ma droite, l'espace VIP tout au fond, derrière l'escalier. Le type en treillis qui a l'air de débarquer tout droit d'un stand de tir. C'est le proprio du Black Sapphire, monsieur Doctown en personne, Kurt Hansen. Il passe manifestement une bonne soirée en compagnie du commissaire du NCPD. Dans ses discours via haut-parleur, il est farouchement opposé aux forces de l'ordre. C'est du cinéma, parce qu'en privé, il fricote avec les huiles du NCPD et leur file des tapes dans le dos. Évite-le. Surtout pas de confrontation. Sinon, reste visible. Songbird a dit qu'elle nous retrouverait ici. Laissons-lui une chance. Je vais prendre un verre et faire un tour. On reste en contact. Allez, faisons ça. Sois pas trop insistant en abordant les gens. On doit préserver les apparences. Quelque chose. Elle a l'air de t'abuser. Un gin tonic, s'il vous plaît. Je cherche une amie. Elle était censée se retrouver ici. Profitez de la fête en attendant que Songbird vous contacte. Hop, j'en prends un. Ça va faire tout drôle, le jour où il n'y aura plus ni LeBron, ni Steph, ni Kevin Durant. Ah bah ouais, hein. Merci beaucoup. Par contre là, t'as vu que depuis la 4ème place à la Coupe du Monde de basket, ça les a vexés les Américains, du coup ils veulent une armada pour les JO de Paris. T'as LeBron James, il a dit c'est un scandale qu'on ait pas eu la médaille cette année. Entre parenthèses, il aurait pu y participer, monsieur, hein, mais il a choisi de pas le faire. Donc il s'est dit pour les JO de Paris, on va faire une armada à la... comme à la grande époque en fait. Ils veulent redorer le blason d'Eric, hein. Ça me fait rire en fait. Parce qu'ils envoient une équipe C, même pas une équipe B, hein, c'est une équipe C, et après ils chialent parce qu'ils gagnent pas. Ah bah les gars, fallait être là. Hein. C'est la surdomination des Américains au basket, c'est terminé les gars. Si vous avez pas la top team, on vous bat. Hein. Que voulez-vous dire?
Allez, un petit verre, tant qu'à faire. Salut, amigo. Allez, parfait. Glou glou. C'est sympa, merci. Tu vas te bourrer la gueule aux frais de Hansen et puis vomir sur ses tapis. En respect. Ah, bourrage de gueule. Les USA ont vécu leur Singapour. Là, mais c'est exactement ça. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu bien fait pour leur gueule. Et mais je peux dire la même chose de l'équipe de France. Hein. Alors, l'équipe de France, encore, c'est différent. Parce qu'à part... comment il s'appelle, Thomas Hurtel, qu'ils ont pas pris pour des affaires politiques parce qu'ils jouent pour la Russie. Objectivement, ça s'est trop vanté d'être les meilleurs. Et voilà le résultat. Hein. Donc pour moi, cette année, clairement, l'équipe de France et les Ricains, ils sont à mettre dans le même panier. Hein. Trop sur deux, ça leur est tombé sur la gueule. Non, on peut aller se faire foutre. Bonjour monsieur, je peux passer. Putain, ça s'amuse ici, il y a une ambiance. On enterre qui? Ça, c'est vraiment cliché des réceptions des gens pétés de thunes un peu bobos. Où en fait, clairement, on se fait chier et tout le monde fait semblant d'être content d'être là. Donc les USA, CRB, l'équipe de France Alpine, là. Red Bull. Ah, les USA, Red Bull. Ça fait des années que c'est... Je t'avouerai que ça fait des années que les USA, c'est... Ouais. Du Red Bull un peu fatigué, hein. Parce que les USA, en fait, le problème, c'est que ça gagne, mais difficilement. Mais parce que ça envoie constamment l'équipe B, en fait. Ça fait des années, tu vois, qu'on n'a pas eu une Dream Team. Parce que s'ils le voulaient, ils te mettent Curry, ils te mettent LeBron James, ils te mettent Kevin Durant, ils te mettent la top team et ils balayent tout le monde, hein. C'est juste qu'ils le font pas. De toute façon, les USA, pour moi, c'est la seule nation au monde qui en a rien à foutre de la Coupe du Monde. Ils envoient toujours une équipe B, pour pas dire C. Et par contre, pour les Jeux Olympiques, généralement, ils envoient tout le monde, tu vois. Ils accordent plus d'importance aux JO qu'à la Coupe du Monde. Hey, je suis contente que tu sois là. Tu t'attendais pas à ça, hein. C'est ma coupe de cheveux. Ok, et ensuite on fait quoi? Elle te va bien, cette robe. Merci. C'est sûrement ça qui t'a surpris. Je suis super contente que tu sois là. Je sais pas ce que je ferais sans toi, V. Sérieusement. Tu m'as pas vraiment laissé le choix. Tu m'as pas vraiment laissé le choix, non? Tu m'as dit de me pointer ici avant de disparaître. Deal, le renard. Ton ami, celui qui nous a permis de reprendre contact la dernière fois. Je l'ai tué, ça. C'était pas toi, c'était le mur noir. Je suis aussi responsable que toi, je dirais. Ouais, tu l'as bien grillé. C'est la faute de Reed. C'est ouais, pas toi, le miroir, je pense. C'était le mur noir. Imagine la team Meyer, Steph, Arrière, Booker, Ellie, LeBron, Ellie, Fort, Giannis, Pivot, Jokic, lol. J'ai pas eu assez de temps pour t'expliquer. Bah c'est pas possible parce que Giannis... enfin oui, pour le coup, tu veux dire une équipe NBA, mais si tu parles de la sélection américaine, ce serait pas possible. Giannis, il est grec. Et Jokic, je crois, il est serbe, non? Si je dis pas de conneries. Tant d'erreurs. Mais pour une, par contre, pour une équipe NBA, ouais, ce serait le feu. C'est pas ta faute. C'est nous les responsables de tout ça. Vous? Myers, tous les autres. Je sais ce qu'ils t'ont fait faire. Ils t'ont poussé encore et encore et... J'étais pas là pour les arrêter. Écoutez, vous deux, on n'a pas vraiment le temps pour ça, là. C'est vrai. La priorité, c'est de te faire sortir d'ici. Non, c'est impossible. Si, on est entré, on peut ressortir. Fais-moi c'est confiance. C'est pas ça. Je suis... mourante, seule. Tout le monde crève ici, en fait. Hein. Hansen a le remède qu'il nous faut. Si on s'enfuit maintenant, on est mort. On va tous mourir. Dans mon cas, tu es V. Dans mon cas, c'est le mur noir. Je peux pas partir maintenant. T'avais pas précisé que t'étais mourante, ça c'est sûr. T'es en train de me dire que tes heures aussi sont comptées? T'aurais pu m'en parler? J'ai pas eu le temps, et je l'ai toujours pas. Mais écoute-moi. J'ai besoin d'aide. De ton aide.
Ok. Hansen a sorti une tech d'un bunker sous Dogtown. Une tech qui pourrait nous soigner, V et moi. On doit la voler. Et la seule. Ouais, bah tu remplaces Yanis par Kevin Durant et Joe Kings par Allen. Et que je joue la prisonnière. Ouais, alors par contre, il me semble que Ray Allen est à la retraite. Donc ça risque d'être compliqué. On va attendre une occasion pour passer à l'action. Je fais les épier de l'intérieur. Puisque d'ailleurs, Ray Allen, à la base, c'était lui le. Il me semble, je crois, le, celui qui avait le plus de 3 points en NBA. Stephen Curry l'a dépassé il y a quelques temps. Jared Allen. Ah oui, d'accord, autant pour moi, dans ma tête, je pense à Ray Allen, rien à voir. Oui. Ouais, à voir. C'est plutôt rare que je ne connaisse pas des personnes invitées à ma propre fête. Et je n'oublie jamais un visage. Kurt Hansen. Je m'appelle V. Juste V. J'ai pas vu Somi depuis des années. On essaye de rattraper le temps. Ah, c'est donc ça. Pour moi, les retrouvailles, ça consiste à ramasser des bouts de cœur brisés. Bien des dents, ça fait toujours mal. Bon, je dois t'enlever, ma chère. Il y a des politiques de Night City qui meurent d'envie de te rencontrer. En équipe de France, tu mets une bide. Oula, alors lui, par contre, on sait toujours pas s'il va jouer soit pour les USA, soit pour la France, soit pour le Cameroun. Il a 3 choix. Ayant la triple nationalité, il a le choix des 3. À bientôt. Enfin, pour l'équipe de France, il veut acquérir aussi le. Il va être naturalisé français aussi pour avoir une possibilité de jouer en France. Alors lui, par contre, c'est la blague du siècle, personnellement. Je le vois pas du tout en équipe de France. À mon avis, il jouera pas chez nous. Pour moi, ça va se jouer entre le Cameroun ou les USA. J'ai rétabli notre lien au moment où je t'ai touché. Intéressant. J'ai besoin d'un moment. Et s'il veut gagner quelque chose, vaut mieux qu'il joue avec les USA, pour le coup. Je vais en bas. Je vais tout expliquer. Contente-toi de m'écouter. Même si en équipe de France, aurait de la gueule. Tu m'as menti, sauf. Tu disais que t'avais le remède. T'as jamais dit que je devrais jouer les têtes brûlées et me démener pour l'avoir. Je t'ai pas menti, j'ai juste omis une partie de l'histoire. Je peux pas tout expliquer maintenant, c'est trop compliqué. Mais j'ai vraiment. Bah quoi, la raquette, Joël, Rudy, Victor. Tout ce que je veux. Oh, putain. Ah, ça aurait de la gueule, hein. C'est ce que je cherche depuis. C'est avec ça, on domine pas la raquette, j'y comprends plus rien. J'aime pas ça. Mais alors, pas du tout. Ma situation me plaît pas non plus. Mais bon, après, les équipes sur le papier, ça veut rien dire. Hein. Voilà, je l'ai dit. Regarde, l'équipe de France de basket, encore une fois, cette année, à la Coupe du Monde, on faisait partie des favoris. Il nous faut la matrice neurale. On se prend plus 30 contre le Canada. On perd encore derrière. Cette matrice se trouve dans un ordinateur central quand Sen a sorti du bunker. Mais il est sécurisé. Tu prends le football, c'est la même chose. Regarde ce qu'on a fait à l'Euro 2020 avec les Bleus. On était archi favoris, on perd contre la Suisse. Pour résumer, pourtant, sur le papier, on leur était largement supérieur. Mais sur le terrain, ça s'est pas montré. Quand on déclenche l'IA, elle exécute ce qui est. Donc, je sais pas. Le problème aussi, c'est que c'est un peu contre-productif. Quand tu mets trop de superstars ensemble, t'as une guerre d'ego et ça marche pas. T'as un plan ? Accouche. Hansen a besoin de moi et de deux runners qui ont déjà bossé sur cette tech. Ils ont obtenu les codes d'accès, en fait. Et ils sont prêts à les refourguer contre paiement. Le marché noir, quoi. Ils fournissent l'accès. Ils sont au PSG, ah mais totalement. Parce que passé un temps, c'était plus le Paris Saint-Germain, c'était le papier. Le papier Saint-Germain. Parce que trop de superstars et au final, c'est en train de péter. Regarde, Neymar, il s'est barré. Messi, il s'est barré. Monsieur, il a fait sa pleureuse parce que soi-disant, à Paris, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Soit dit en passant, ils l'ont quand même bien félicité quand il est rentré de la Coupe du Monde, mais c'est pas grave. Donc voilà. Hein. Après, ça a recruté Lucas Hernandez. Colomwani aussi, donc faut voir ce que ça va donner. Mais après, oui, le PSG, c'était une équipe de starlets qui arrivait pas à jouer ensemble, hein, très clairement. Hein. C'est pour ça que c'est en train d'exploser, là. Mbappé, il est pas totalement innocent aussi à ce truc. Hein. Le mec, tous les ans, il laisse planer le suspense pour savoir s'il va jouer au Real. Et puis au dernier moment, ah, mais non, mais en fait, je reste à Paris. Tous les ans, c'est le même sketch. J'ai pas le temps de t'expliquer tous les détails. Alors que soit dit en passant, il avait dit quand même il y a des années, ah mais mon rêve c'est de jouer au Real. Mais là par contre, mec, quand t'as l'occasion de rejoindre le Real, mais non, tu te dis tu vas rester à Paris. Bah fallait pas dire que ton rêve c'était le Real alors. Si on t'offre ça sur un plateau et que tu refuses, au bout d'un moment on va te faire foutre. Le verre de champagne juste là. J'ai rassemblé des infos pour toi. Apporte-les à Reed, vous en aurez besoin. Je dois vraiment y aller, là. Je compte sur toi. Merde. Elle est partie.
Mbappé dans le lob, j'ai bien rigolé. Ouais, non, mais lui, c'est... Blague du siècle, mais vraiment. Enfin, lui et le Real, c'est la blague du siècle, je veux dire. C'est bien, on assiste au spectacle en direct. Ça, c'est beau, c'est beau. Et quoi, Flokix, du coup? Rejoindre Rideau Bar. On va picoler, c'est ça? Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y aura une scène, une baston, ça va se tirer dessus, c'est obligé. Ça va se terminer en échange de coups de feu, cette histoire. Ça se passe trop bien pour le moment. Il y a un truc qui va foirer, c'est obligé. En attendant, le Real a pas d'attaquant. Bah, c'est ça. Ah, bah, après, ouais, t'as pas d'attaquant officiel, mais bon, quand tu vois ce qu'a fait récemment Tchouaméni, même s'il est pas attaquant, tu te dis, niveau efficacité, ils sont pas à plaindre. Il faut un temps d'adaptation. Je suis comme ça. Quand je suis contrarié, j'ai besoin d'un moment pour réfléchir. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Maintenant, on sait qui a tenté de tuer Myers. C'est quoi ta théorie? Je sais pas pour toi, mais... Pour moi, les coïncidences ne sont que des modèles, des structures qu'on n'a pas encore identifiées. Où tu veux en venir? SF1 s'écrase. Pas n'importe où, mais sur un territoire précis. Contrôlé par quelqu'un qui a trouvé une tech obscure oubliée dans un bunker secret. Ce crash a été orchestré en... Ouais, mais mettre un œuf, ne leur ferait pas de mal. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Certitude. C'est Songbird qui était derrière tout ça. Bon, ça arrivera, hein. De toute façon, une équipe sans vrais attaquants. Il t'a fallu qu'un verre pour arriver à cette conclusion. Les pièces ont commencé à s'emboîter quand on était sur la mezzanine. Somi nous a dit qu'elle était mourante. Tout découle de ça. Elle avait passé un marché avec Hansen avant même que tout ça n'arrive. Elle a échangé la vie de la présidente contre un accès à cette tech. La présidente des NUSA vendue à un seigneur du crime. C'est énorme si c'est vrai. C'est parce que Myers poussait constamment Somi à franchir des limites. Alors elle a fini par... Ah, je sais pas combien de temps la mission va durer. Combien de temps la mission va durer, mais on va voir. Je sais pas, on m'a contacté pour que je sorte Myers de là. Tu peux présenter ça comme tu veux, ça reste de la haute trahison. Si ce que tu dis est vrai, Song est coupable de haute trahison. C'est pas à moi de la juger. Ni elle, ni ses actions. À mon avis, Somi jouait sur les deux tableaux. Elle a conclu un marché à la fois avec Hansen et avec toi. Elle fait Hansen, puis tu entres en piste. Elle te contacte via la relique et te demande de sauver la présidente. Ça lui assure l'absolution. T'as besoin du remède autant qu'elle. Ça lui garantit ton aide si jamais son plan échoue. Et voilà où... Bah, je pense que moi, je vais arrêter là après cette scène. Nous voilà à foncer au secours de Songbird. Après, je vais me déconnecter. Donc, je vais laisser la cinématique se dérouler. Et après, je vais arrêter là. Capacité à évaluer la situation. Aux échecs, elle serait célèbre pour ses coups stupéfiants et ses défaites absolument flamboyantes. Ah, je crois que Song tiendra parole. Merde, j'ai l'impression que Song se paye ma tête. Je sais plus quoi penser. Ah, c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, c'est pas étonnant. Mais je connais assez bien Somi pour savoir qu'elle fera de son mieux pour être juste. Du coup, tu vas sauver une traîtresse. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, tu penses quoi de tout ça, toi? Je suis pas sûr que Somi soit entièrement responsable. Dans ce boulot, les apparences sont toujours trompeuses. Il faut se poser des questions jusqu'à ce qu'on ait tout tiré au clair. Je parle par expérience. Le plus important pour le moment, c'est de la tirer de ce putain de merdier. Et pour la suite, on avisera. Ah, on doit être prudent, je suis d'accord, j'ai mal à te comprendre, Ridge, viens. Chercher mon dieu, c'est ce qu'on m'a promis. Bon, on doit être prudent. Ok, mais il vaut quand même mieux la surveiller de près. Ça va de soi. La confiance aveugle, c'est fini. Plus jamais ça. Bon, revenons-en à notre problème. On doit faire quoi pour la sauver? Pour récupérer la tech dont on a besoin, Songbird et moi, on doit aller à un rendez-vous avec Hansen. Ça va demander de la préparation. Parce qu'on doit se présenter à la place de deux runners. On doit d'abord leur voler leur identité, si tu vois ce que ça veut dire. Tu
vol d'empreintes comportementales. Ça me rappelle notre boulot colombien à l'époque. Ok, c'est qui et où on peut les trouver? Du coup, je me demande, comment on s'y prend pour voler l'identité de quelqu'un? Tech métanthropique de la FIA. Alex y a accès. Tu l'as déjà vu sans ça. Ah, la FIA, évidemment, hein, ce n'est pas Fédération Internationale Automobile, bien sûr. Dans le cyberpunk, ça veut dire autre chose. Song m'a préparé cet éclat, jette un œil. Nos cibles sont un frère et une sœur, des jumeaux roux. Ils sont quelque part ici, en train de s'éclater. Ok, on doit récupérer leurs données, prendre des échantillons de comportements variés. On établit le contact et on les scanne tout en leur parlant. Compris. Je crois. Donc, on passe à l'action. Regarde là-bas. Waouh. T'as pas traîné pour les repérer, Reed. Les ai remarqués depuis un moment. Ils se démarquent même au milieu de cette foule. Alors les jumeaux sont à la roulette. Alex, t'as entendu? Ouais, 5 sur 5. Je prépare la tech de scan maintenant. C'est nouveau pour toi, mais relax. On va le faire en duo. J'en scanne un pendant que tu t'occupes de l'autre. Alex nous guidera. V, je t'envoie de l'argent de notre fonds de mission. Fais plein de jetons et rejoins leur table. Mais va pas tout cramer dès le début. On se rend à la table séparément et on se connaît pas. Allez, au boulot. Voilà, donc moi je vais arrêter là. On a touché le gros lot avec la fin. Allez. Du coup, Flokix, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'était cool quand même d'avoir discuté avec toi dans le live, c'était sympa. On papote, c'est cool, c'est cool. Donc là aujourd'hui on est quoi? On est le 1er octobre, donc ça veut dire que lundi 2, mardi 3. Donc mercredi on sera le 4, donc j'aurai pas encore le nouveau Assassin's Creed. Parce que je prévois de streamer sur Mirage aussi, mais il sort le 5, donc ce sera pour dimanche prochain. Donc mercredi, je sais pas, soit je continue Cyberpunk, soit je refais du FC24 ou un autre jeu, je verrai, je sais pas encore. Bah Floki, je te souhaite une bonne soirée du coup, je vais y aller. Si jamais t'es toujours dans le chat. Puis les autres pareil aussi. Voilà, et du coup, eh ben, je vais me déconnecter. Donc, à mercredi. Ciao, tout le monde.